Ça va. Allez, bonjour à tous. Good morning to all of you. Our chapter today will be on JavaScript. Okay, JavaScript. Well, before studying JavaScript, JavaScript is a programming language. D'accord? And before studying JavaScript, you are supposed to know HTML, CSS. Okay? So, let's see if you still remember HTML and CSS, which you have covered in Form 5 level. Okay, if you go in YouTube, I have done a video, my friend video, low HTML and CSS. Okay, you can have a look at it. Okay, in YouTube. Et dans YouTube, mon dieu, HTML, il y a une markup language. D'accord? Et je te cargue cette vidéo là, là, moi, pour forward, moi, pour un peu vite avec vidéo là, parce qu'il s'en couvert de Form 5. So, HTML, it's a markup language, comment on dit. Et ce qui est intéressant là-dedans, on va continuer au cas où monte nous. Son. Ouais, on a les buffers un petit peu, mais pas grave. Voilà, HTML c'est une markup language. What is HTML? Ouais, HTML is a markup language. Markup language for developing web pages. Mais le topic aujourd'hui n'est pas HTML, le topic c'est JavaScript. Mais avant d'aller dans JavaScript, je demande à l'élève s'il y a encore rappel HTML. C'est-à-dire HTML n'est pas un programming language, c'est un markup language. D'accord? Et nous avons une petite révision de HTML et CSS, les là nous rendent JavaScript. D'accord? Voilà. Bon, comment HTML marche, c'est les tags. Le truc que nous tags living dans angle brackets, comme ça. Angle brackets. Il y en a opening tag avec il y en a closing tag. So, you have the closing tag. This is opening. And il y a angle brackets. Et closing tag, opening tag, yes. Et closing tag, nous avons forward slash. Voilà, ça tous en fait. In pairs. Maintenant, code nous allons écrire un code HTML dans le notepad. How to create a web page dans le notepad et nous écrire un code dans HTML. Voilà. Et tous en fait connaissent, nous ouvrons notepad, voilà, new, et nous écrire un code. Dans Notepad. Mais à ce moment-là, je n'ai pas servi Notepad, je servi Notepad++. Notepad++ est plus bon que Notepad. Voilà, j'ai créé ce code-là. HTML. Ouais, tags. HTML. Close HTML. Close HTML. Body. Close body. Et tout le code qui vous paraît de le website-là, qui est dans body. H1 veut dire heading 1 et close heading 1. Voilà. Ça, c'est déjà connu. Je vais écrire un code dans HTML. Dans Notepad. Et nous save-li comme. Ouais, voilà. Nous save-li comme. .html. On va nous mettre all files. All files. Ouais, voilà. C'est même appelé index.html. HTML. Correct? Maintenant, comment nous vivons? Ouais, une petite révision, ça, hein, pour tout le monde, je connais HTML, parce que moi, vous, nous vivons à travers un browser. Ouais, nous ouvrons file là dans un browser. Internet Explorer, Firefox, etc. Google Chrome. Voilà. Et là, nous expliquer. Voilà, on va l'ouvrir à sa file là, sa même file là. Right, ouais, ça y est dans Notepad, mon écran me code. Voilà, ça mon écran me code d'HTML, dans Notepad. Ouais. Maintenant, qui m'ouvre, m'ouvre à sa même file là, servi mon browser. Voilà. Là, moi, il y a deux. Résultat, moi, je trouve dans mon browser. Voilà, mon HTML code, il est translated par mon browser. Fais-moi dire mon sens dans mon notepad quelque chose. Voilà, dans mon notepad, dans mon file HTML, moi, allez, mon sens dans quelque chose. Je go to the code. OK. I put my name, Mr. Radan. Voilà. Donc là, vous allez comprendre comment je travaille. Voilà. Mr. Radar. À ce moment fini, save dans Notepad, je fais CTRL S, je save. Voilà.
Ça, tout ça va être un principe là, vous avez besoin de chez moi, Radanil, Mr. Radanil, ouais, moi save dans le pad, moi sur le code. Voilà. Et là, je trouve mon résultat dans, je fais refresh dans mon browser, je trouve l'écrit là. Mais dire, les enfants, rappelez bien, il y a deux softwares qui m'ont servi. Un notepad pour taper mon bancode et un browser pour trouver le résultat. Correct? Bon, ça, tous les enfants, ils finissent comprendre qu'ils HTML marche comme ça. Maintenant, on peut expliquer comment un CSS marche. Correct? Vous regardez dans cette vidéo là. Ok? Bon, là, on va sans background color là. Background color, on fait pink, on save lui, et là-bas, on refresh. Voilà, mon refresh, mon tout background color in pink. Je dis, rappelez bien, moi, il y a deux softwares, mon PC à vie. Dans le notepad, mon PC écrit mon code, et dans le browser, ce bon code-là, va translate, mon retour résultat. Ça, tous ensemble, vous avez bien clair, le, ça, concept. Maintenant, et non, l'explique, nous a fait. Voilà. Je veux dire, HTML, il y a une structure pour écrire. HTML, close HTML, in a head, close head. On a head in a title, après in a body. Voilà. Ça, tous les enfants connaissent. HTML, sample code, HTML. Après, close HTML. Close HTML. Head. Close head. Et on a head in a title, close title. Après, body, close body. Et tout ce qui nous typé en the body, ça même pour parler de browser. Le browser là. C'est-à-dire que le browser, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, il translate ça dans HTML code là et te trouve le résultat. Ok? Ça concept là, c'est tous enfants corrects, nous bousillons. Maintenant, nous pouvons expliquer qui va le code qui nous écrit. Voilà, ça va le code. Ça nous résultat. C'est-à-dire que le code nous écrit dans Notepad++, sur Notepad, Notepad++, meilleur, et nous trouvons nos résultats dans le browser. Voilà, ça c'est le code. Voilà, continuez à guetter sa vidéo là, parce que nous vous bougez là-dedans. Suivez-le bien. Voilà, comment mettre une photo à ce ça, moi, pensez tous les enfants connaissent. Il y a une commande qui s'appelle image source. Ok? IMG source. Correct? Image source, c'est la limite image là-bas. Image apparaît. Voilà, background color. Voilà. Image source. Et la limite photo là. Photo là, c'est width, angle brackets. Image source. Et la photo là, c'est nom. Ou save it comme .jpeg. Vous mettez dans le même folder que vous avez ou file. Côté HTML file, là, c'est la même. So width, so height. Voilà, photo là, pareil. Et il y a un body. This is the photo. Et vous pouvez mettre la photo aussi dans la web page. D'accord? Voilà, photo là par écran. So width, avec so height, et photo là par écran dans le browser. Correct? Name of the photo de Savely dans inverted comma de Savely. Command c'est image source. Angle brackets et close angle brackets. Mais image, il y a un tag closing tag, il y a un cellule. Et on danse souvent paramètres. Voilà. Bon, maintenant. Ouais. Ça, tu vas finir bien comprendre comment le écrire HTML. Maintenant, nous vous passe avec, il va falloir bien comprendre, HTML se code divisé en deux parties. Là, moi, je fais une pratique, là, on a ouvert un notepad. Correct. Voilà, mon code. Ça, moi, le code de HTML. Et moi, je mets une photo, là, tu trouves? Radar.jpg. Et comment c'est image source, radar.jpg, so width, so height, on met tout. Bien. Je te permets de faire tout. Correct. Ça, dans forme 4, forme 5, nous faisons ça. Maintenant, on va aller un peu plus vite. Correct. Parce qu'ils ont dit, nous pouvons expliquer JavaScript, pas HTML. HTML code start with HTML. Close with HTML. Then you have the head. Maintenant, si vous ouvrez sa file là, pas un browser, vous trouvez photo là, mon appelé radar.jpg. Voilà, si nous continuons la vidéo là, un petit peu devant, vous pouvez ouvrir sa file là avec un Internet Explorer et mon refresh. Voilà, photo là apparaît. Vous devez me load photo là dans la web page. Voilà. Maintenant, je finis avec ma load une photo d'HTML. Maintenant, il y a une affaire qui est bien importante pour expliquer. Si vous perdez trop vite, diamant. On va vous montrer comment l'autre photo.
et vidéo là il y a un leader YouTube je te caragete. Maintenant ce qu'il vous explique les enfants c'est le code HTML nous pouvons diviser à des parties. Voilà, il a fait bien intéressant. Nous pouvons expliquer. Voilà là. Le code HTML capable de diviser en deux parties. Une partie avec sa structure et l'autre partie avec sa presentation. Dans la structure là, nous pouvons mettre dans une file séparée, nous pouvons appeler ça HTML. Et dans la presentation, ce code, comment dire, ce font color, ce background color, ce H1 heading, nous pouvons mettre dans une autre file appelée CSS, .css. Voilà, c'est ça que mon père a envie d'expliquer. Je veux dire, maintenant, nous évoluons. Nous pouvons prendre un seul file là, nous pouvons faire deux files. Je veux dire, comme si, nous pouvons mettre tout dans Briani, mettre tout dans un seul, ça. Nous pouvons diviser deux files, nous pouvons écrire nos codes. Un code nous pouvons écrire dans .html, deuxième code nous pouvons écrire dans .css. Correct? Voilà. Et nous pouvons expliquer structure. Structure, garde tout ban, qui se concerne, skeleton. The skeleton, the markup for the language. Et presentation, on appelle ça, qui veut dire CSS, veut dire cascade style sheet. Là-bas, nous pouvons garder tout nos ban affaires présentation. C'est-à-dire, nos fonds de color, nos background color. Maintenant, nous continuons avec sa vidéo, là. Les autres, vous comprenez? Cascading style sheet. Voilà, nous continuons. Voilà, mais seulement CSS, il y a trois façons de faire ligne. Nous pouvons servir inline, nous pouvons faire external et nous pouvons servir interline. Et là, nous pouvons servir external. Qui veut dire external? Nous pouvons créer un file appelé style.css. Et mon main file est index. Dans index, nous avons tout ce qui concerne HTML. Et dans style.css, je regarde comment background color, je regarde foreground color, font color, etc. Et ça, des files là, je vais travailler en ligne, et je vais besoin de links. Index.html, je regarde tout mon affaire structure, et style.css, je regarde tout mon presentation. Voilà. Mais comment je link? Une affaire intéressante. Qu'est-ce que ça commande link? Link, reference, style sheet. Là, je vais link avec sa file, avec sa style.css, je link avec style.css. Ouais, voilà. Là, je link sa des files là ensemble. Je travaille comme end. Maintenant, ce côté pratique. Voilà, ce côté pratique, maintenant, vous guettez comment faire. Voilà. Background color, font cela. Maintenant, nous guettez. Voilà. Là, un autre exemple. Nous pouvons servir un autre file, exemple, tout comme CSS, nous mettons sur fond, et là, dans index, nous pouvons link sur main code. Maintenant, nous continuons à expliquer, et nous guettons ce côté pratique. Non. Ouais. Ouais, ça nous link là-bas. Ouais, voilà. The main file, structure file, il link avec ce presentation file. CSS file, got une presentation. Et tout un formatting via CSS file. C'est ça la ligne là qui est link. Et ici, nous servons external. External veut dire qu'on a deux files séparées. Maintenant, avant de taper l'examen pour Form 5, on fait une pratique là. Allez, dans pratique, maintenant, nous voulons deux files. Qui file nous voulons? Mylestyle.css. Moverly, dans Notepad ou Notepad++. Voilà, ça file-là contenir au ban code ou presentation. Je veux dire, moi, body, moi, H1, sur ban couleur, sur ban fond. Correct? Ça, c'est un file. Il appelle Mylestyle.css. Maintenant, mon deuxième file, main file-là, index.html. Voilà, on peut ouvrir Li. Et li, il contenir mon main structure. Et qui, la ligne qui link ça des files là, c'est link. Link, ouais, ça. Il est connecté sa présentation là avec ça. Voilà. Et tiens, là, je finis en prenant HTML, je finis en prenant CSS. C'est moi, les, tu peux ouvrir à toi dans ton browser. Tu peux ouvrir seulement index.html là. Tu peux ouvrir main file là. CSS là, tu peux pas ouvrir. Il est pour link automatique. Et tiens, mon right click, mon open with, browser. Voilà. Il a ouvert mon browser, tu trouves tout l'eau. Ce color, tu es censé éliminer pareil. Mais, ce que j'ai rappelé, tu vas une présentation, tu sais pas, lui, dans l'autre file, appelé CSS. Bon, je comprends, il y a deux files. Index avec CSS.
CSS. Maintenant, on finit avec CSS, mais on pose d'autres questions parce qu'on parle de JavaScript là. On va arrêter sa vidéo là. Et sa vidéo là, on va aller dans mon YouTube. Voilà. Allô? Allez, right. Maintenant, écoute-moi. Allez, right. Maintenant, le topic qui nous peut guider dans HSI, c'est Why we study JavaScript. À la fin de la classe, nous vous faisons un papier d'examen. Voilà, papier d'examen, il est comme ça. Je veux dire, vous avez un code pour connaître. Par exemple, vous avez un papier d'examen avant de vous expliquer. Allez, là, ça, c'est mon code de JavaScript. Et qui l'a mis, ça? C'est un mot que vous avez obligé de connaître ce code là pour vous répondre au papier d'examen. Et voilà, get papier d'examen, comment ça outil? Moi, get un l'année. Par exemple, juin 2017, papier 12, question 6. Et papier 12, question 6, get une de nous sample code de JavaScript. Et j'aime au pédia, ces enfants-là, comme moi. T'as besoin de comprendre JavaScript. Get JavaScript sur mon code et sur mon résultat. Get ça, c'est un text box paraît, un text box and form, un text box et HTML, title, script. Voilà. Et il a mon function, t'as besoin de comprendre function. Et script, close script, et vidia, tu besoin de coding. Et ça, man code la form, etc. Si tu pas con coding, tu n'as pas à répondre à une question à l'examen. Ok? Bon, je t'ai trouvé qui a fait l'examen, une man coding. Maintenant, on retourne avec l'explication de commencer. Why study JavaScript? Bon, on peut étudier JavaScript parce qu'il y a une programming language. HTML, pas une programming language. HTML, c'est une tagging language. CSS, nous avons tout ce nous avons layout, nous avons de CSS, mais JavaScript permet toi programmer les enfants. Veut dire, il fait ton website dynamique. Ok? Et tandis que HTML, website là, il est statique, il reste en place. Mais grâce avec JavaScript, nous pouvons mettre behavior dans nos websites. Ce qui veut dire behavior, veut dire nos websites pour une dynamique. Il y a une programming language. Bon, je te connais, mais on parle de programming language. Nous besoin en prendre sequence, nous besoin en prendre selection, nous besoin en prendre iteration, tout ça là, nous voilà en prendre. Maintenant, nous continuons. Veux dire, les enfants là, vous avez connu qu'avant de faire JavaScript, JS, ils ont besoin qu'on HTML, qui m'ont fait couvrir là. HTML veut dire Hypertext Markup Language. Et après HTML, les enfants là, tu supposais qu'on CSS. Ok? CSS file. Qui veut dire CSS? Cascading Style Sheet. De Cascading Style Sheet, qui nous en prendre? Veut dire un code qui concerne présentation, comment couler, border, margin, etc. Nous tirer dans une phase séparée. Maintenant, aujourd'hui, la classe HSI, nous allons prendre JavaScript. Qui raison nous allons prendre JavaScript pour nous faire une web page dynamique. Ok, il n'est pas pour statique, il n'est pas pour être en place. Il est pour avoir une fonctionnalité là-dedans et il est pour faire un programming, un code nous allons prendre là-dedans. Dans HTML, nous pas qu'à mettre un code. Nous pas qu'à faire for loop, while loop, if then else, pas qu'à faire dans HTML. Pour faire tout cela, nous allons prendre JavaScript. Maintenant, nous commençons l'explication de JavaScript. Bon, JavaScript, pareil comme CSS, il y a des façons de mettre JavaScript. Quand nous écrivons un code JavaScript, nous sommes capables de mettre code JavaScript dans le code HTML. Il y a des façons. Soit nous embeddons dans le code HTML, soit nous écrivons dans une file séparée, et sa file séparée-là, nous appelons ça JS file. Pareil comme nous appelons ça .css. Ok? Ici, nous appelons ça .js. Je veux dire, si nous écrivons un code dans HTML, voilà quand nous pas l'écrire. Ça fait comment dire le code HTML, ça. HTML, close HTML, in a head, et close head. Mais là, nous mettons le code JavaScript dans head. Nous mettons script, close script. Soit nous mettons dans head, soit nous mettons dans body, soit nous mettons en bas body. Je veux dire, ça, nous appelons ça embedded. Embedded, JavaScript, veut dire nous include dans le HTML code. C'est moi, il y a trois places nous mettons. Soit nous mettons dans head, soit nous mettons dans body, soit en bas body. N'importe quelle place où vous mettez, il peut marcher. Mais si vous mettez dans head, il peut exécuter plus rapidement. Maintenant, si vous pas embed JavaScript sur code dans le code HTML, vous êtes capable de créer une file séparée. Pareil comme dans CSS. Nous avons créé une file CSS séparée, mais nous avons un link. Bon, là, nous pouvons expliquer comment nous link. Faites comment dire le code nous est dans HTML et nous servir une commande script la source et là nous écrit un file là séparé mais nous pouvons linkly là file séparé là l'appelle deux mots de JS et comment nous pouvons linkly dans le code HTML nous pouvons coller voilà script close script source démo de HTML mais dans nous get dans le folder nous pouvons avoir deux files ça deux mots de JSS là JS pour mon JavaScript file. Et default là, c'est pour mon HTML file.
veut dire là mon faire external. External qui veut dire mon ban code JavaScript il donne file séparé, il donne file qui finit par .js. OK? Veut dire il y a deux façons de faire. Embedded dans mon code JavaScript, mon met li la même. Non, dans mon code HTML, mon met mon code JavaScript. OK? Dans head, soit dans body, soit en bas body. Et soit mon fait li external, si mon fait li external, mon fait li donne file séparé. Et ça fait séparé là, mettons mon appelé deux mots, c'est moi, l'ibza finit par .js. Et si mon mec est séparé, dans mon code HTML, mon besoin colli. Comment mon colli? Disons, dans mon code HTML, mon écrit script, close script, mon met ce source. Source, démo de .js. Bon, les enfants, il y a deux façons de mettre JavaScript. Et soit nous mettons dans le code HTML, soit nous mettons dans une file séparée. Bon, mon fini explique ça déjà. C'est la question, dis-moi. Mais la plupart des codes qui nous pouvons faire servir embedded. Embedded est plus facile pour aller parce qu'il n'a pas besoin de créer des files. Je veux dire, vous servez embedded. Je veux dire, mettre mon code JavaScript dans mon file HTML pour moi insérer le file. OK? Et la plupart du temps, je vais mettre dans le body. Maintenant, nous continuons. Voilà, mon première explication. OK? Nous avons 10 minutes, nous pourrons revenir. Maintenant, les enfants, source code. Voilà mon code. Mon premier programme, on peut écrire dans Notepad++, soit je vais écrire dans Notepad. Ça, mon source code, ça, mon résultat. Pareil, comment tu peux écrire un programme dans VB et là nous rendons pour gagner ce résultat. Voilà, ça mon code JavaScript, mais mon fait une petite démonstration et ça mon résultat. Mon première démonstration, mon faire, c'est un code JavaScript plus simple. Pareil, comment je vais servir console.writeline dans VB. Ici, je vais servir document.write. Document.write est pareil comme dans VB, console.writeline. Alright. Je vais dire ça, output qui est là pour paraître dans l'écran. Allez, maintenant une petite démonstration. Regardez si ça marche. Regardez tous les enfants si comprennent. Voilà. On rentre dans sample code. OK. On ouvre mon premier file. Hello world. Voilà. Hello world. Correct. Hello world. Donc, dans sa laptop là, on peut Notepad++. On peut ouvrir avec Notepad. Correct. Voilà Notepad. Ça, mon code. Voilà. OK. Voilà. Si jamais le programme arrêté, nous pourrons reprendre. C'est-à-dire si Zoom arrêté, nous pourrons lancer Zoom. Maintenant, qu'ils ont trouvé, les enfants? HTML, close HTML, head, close head, body, close body. Mais JavaScript, comment écrire? C'est ce qu'ils ont pu comprendre. JavaScript, son main command, c'est script et close script. Tous les enfants corrects? Script, comment écrire script? Qu'est-ce qu'il y a? Script et close script. Et tout bon code qui peut entrer dans un script, ça, on appelle ça JavaScript code. Et ça, on appelle ça embedded. Nous pouvons embedder dans nos HTML code. Bon, qui commande mon service? Document.write. Document.write, enfin, il paraît comme au console.writeline. Il y a tout ce qui peut paraître là, il peut paraître dans l'écran. Correct? Et mon service, une deuxième commande ici. Bon, sa deuxième commande là, c'est un window pour pop-up. Hein, un window. Mais si moi envie de commenter à cette là, moi pas envie d'apparaître, moi car j'ai envie de commenter ça, moi j'ai envie de commenter comme ça. Maintenant, moi save li, moi renni, voilà, Ctrl S, moi save li. Maintenant, moi renni pour trouver ce résultat. Moi réouvrir li à travers mon browser pour trouver le résultat. Voilà, moi réouvrir li à travers mon browser. OK, et moi réouvrir li à travers mon browser, moi trouve le résultat. Voilà. Voilà. OK, ça mon résultat. Allez, nous regardons ensemble, si on perd trop vite ce diamant. Et ça, mon notepad. Voilà, ça, mon code. Et ça, mon résultat. Allez, c'est pas comprendre. On va expliquer. OK. Allez, nous regardons. C'est-à-dire, ce qu'ils ont à apprendre, script, close script. Vous connaissez comment il serait script d'angle brackets et close angle brackets. Ça, mon comment, vous ne pas apparaître là. C'est-à-dire, qui la ligne de l'emprunt? Première, la ligne de l'emprunt de JavaScript, c'est document.write. Mettez dans votre cahier. Document.write, ouvert bracket, ferme bracket, et dans inverted comma, si que vous mettez, il vous paraît dans sa browser là. Ça, mon browser, ça. Correct? Une minute. Voilà, ça, mon browser. Il paraît hello world, using document.write command. Correct? Maintenant, si arrivé, me sens à la ligne, là. Allez, si me passe en ligne, me mettre en coin de la ligne. Qui peut arriver d'après eux? Allez, me copie. Me paye ici, là. Me mettre en l'autre, la ligne document.write. OK. Allez, me sens ça. Me mettre radar anil. D'après eux, qui peut arriver? Allez, radar anil. Allez, qui m'a besoin de faire? Me besoin de save. Ouais,
Ctrl S, save. Voilà, ici qui m'a fait refresh. Voilà, il me paraît dans même la ligne. Mais si moi j'ai envie licence la ligne, je pense, ok, je vais mettre plus bien, je pense. Ok, ok, il me semble la ligne. Bon, pas grave. Voilà, la ligne paraît là. Si moi j'ai envie ça la ligne là, sans E, je veux dire, moi j'ai envie de commettre ça, j'ai envie de tirer ça la ligne là. Allez là, je tire ça. Ctrl X, voilà, je tire là. Et je save là. Voilà. Et je refresh là. Voilà. Bon, ça, c'est notre premier. Vous êtes premier chose qui n'ont pas de JavaScript, c'est comment envoyer un output dans l'écran. Comment envoyer un output dans l'écran sur commande, c'est bon pour JavaScript, tu as besoin de connaître le service script, close script. Et commande qui t'en apprend, si c'est le titre de votre cahier, c'est document.write et ouvert bracket, ferme bracket. Mais en fait, vous devez prêter attention, vous devez mettre point virgule à la fin de chaque commande. Si vous ne mettez pas point virgule, vous n'avez pas gagner ce résultat là. Correct. Maintenant, vous poussez une deuxième commande. Correct. Un alert window. Ok, je tire ça. Par exemple, je tire ça. Si je te lis, je commente plutôt. De place, je tire ça, je commente. Ok, et en bas, je écris ça l'autre la ligne qui me tire voyez là. Je commente ça la ligne là aussi. Commente, ça veut dire interpréter là pour ignorer. Correct. Voilà. Maintenant, qui la ligne, je peux tester. Suivez ça bien. Je peux tester window. Correct. Ctrl X. Et moi, vous voyez, ça, la commande là, ok, nous allons tester une nouvelle commande là, voilà, window, mais c'est moi pour lui paraître, mon bizarre tire ça commence là, ok, si zoom in time, mon pensée, combien de minutes rester, 4 minutes, non. Ok, si ça met le temps, nous pourrons aligner, mon deuxième la ligne qui te peut en prendre, c'est, voilà, la JavaScript te peut en prendre, comment faire un window alert, correct, allez, rappelle bien, vous devez faire JavaScript, vous devez mettre script et close script. Correct? Je ne connais pas comment mettre close script. Allez, window alert. Window alert, ouvert bracket, ferme bracket, vous devez finir par semi-colon. Et tout ce qui doit écrire, te mettre dans inverted comma. Maintenant, moi, save. Et mon mot de sur l'effet, save. Voilà, te refresh. Te refresh, qu'est-ce que tu trouves? Un window pop-up. Et dans window là, qui apparaît, hello world using window. Windows Alert. Voilà, ça c'est le résultat sur l'effet. Correct? Moi, je fais une pratique pour le montrer. Bon, qui j'en prends? J'en prends qui nous écrit un code dans Notepad, soit Notepad++, et nous trouve nos résultats à travers un browser. Il y a été appris de ce code-là. Maintenant, commande qui nous en prend, c'est Windows Alert et document.write. Qui j'en prends? Document.write, il paraît comme .vb, console.write line. Veut dire, ouvert bracket, ferme bracket, point virgule, et dans inverted comment ce que vous mettez, qui vous paraît dans au programme. Oui, allô, allô. Oui, bonjour, oui. Oui. Oui, oui. Écoute, t'as déjà reçu nous, mais vraiment un message, madame meeting là. Merci. Envoie-moi un message, mon get back. Ok, merci. Ok, voilà. Vous dites enfin là, fini comprend qu'il nous écrit un code dans HTML, nous écrit un code dans Notepad et nous trouve nos résultats dans nos browsers. Maintenant, nous continuons nos notes, nous pouvons expliquer. Voilà, dans nos notes, nous expliquer, nous avons écrit un code là dans un Notepad plus ou Notepad. Mais remarque bien qu'ils ont emprunté script. Close script, ouais, je finis par comprendre. Document de voir est une parité là-haut, et après ça, Windows Alert, une parité. Maintenant, nous prenons l'autre programme. Les enfants asiatiques, correct, bien comprend. Maintenant, nous prenons le deuxième programme. Allez, get ça, enfants. Et dis-moi qui se comprend là-dedans. Le sample code là. Et nous poussons, prendre ça, nous pouvons revenir là-bas, nous guetter qui arrive. Bon, HTML, correct, close HTML, body, tous enfants, correct, plein, aucun problème. H1, ça, l'indicateur de H1, il parité là. Mais c'est moi, il n'est pas dans JavaScript, ça, il est HTML. Et paragraphe, P veut dire paragraphe, paragraphe. Et my first paragraph, ça lui paraît là. Correct? Ok. Bon, ça va supposer maintenant. I never call, ça va supposer maintenant. Ça m'a dit lately. Bon, comment on y paraît? Parce que JavaScript il ouvre et document.write veut dire un output. Mais qui output il prend? Il prend 5 plus 6 et ce résultat vient 11. Vous trouvez là, ce résultat vient 11. Bon, si nous prenons ça, nous save dans nos ouvert notre pad
et nous rendit, si nous copions 100, on sait tous les élèves qu'on va faire 10 ans. Il vient de ce folder-là, d'ouvrir un notepad, faire new. Voilà, il est capable de s'aider, il a ouvert un notepad. En français, il vient d'un notepad. Il fait new. Correct. Il paye sa code là-bas. Et il est capable de tester, il fait save as. Correct. Il sait save as. Et, bon. Il disait save as, je vais mettre le mot desktop. Ok, je vais mettre ça le mot desktop. Et je vais mettre all files, tous les enfants connaissent. Et je vais mettre un test. Disons, test11, okay, .html. Il faut mettre .html parce qu'il m'a embed mon code. Il ne m'a pas mettre JS. JS, c'est comme mon PCB external. Correct? Voilà. Et là, mon save lui. Et mon capable de mettre ce résultat. Ce résultat, mon vine le mot desktop. Correct? Si mon vine le mot desktop, mon vous trouvez, mon crée un file, test, supposé la même, vous dites. Ok. Test. Ok. Ouais, ouais. Vous verrez que si vous êtes capable au monde. Tu me trouves l'île, ça, desktop là, vous dites, comment c'est vu? Test. Mais fixé, ben. Le desktop, on va se fixer, ça. Ah, là. Vas-y, vas-y. Allez. Voilà, maintenant, nous continuons, nous chier le desktop. Ok, je vais faire JavaScript, j'espère que tous les enfants vont suivre. Je vais chercher mon desktop. On en a beaucoup qui se pour en prendre. Je vais aller vite. Ok. Mais tu as un desktop là? Oui, le mot desktop, moi, tu supposais, il était écouté, il disparaît. Allez, mon vrai, il y a un coup, mon cas, c'est Evli, File, c'est Vaz. Je supposais road mon desktop, oui mon desktop là. Et mon appel lit test là, je vais mettre all files. Et voilà, je vais mettre .html. Ok. Et là, je vais essayer de supposer là. Là. Bien. Allez, je vais dire que nous ne pouvons pas oublier, nous voyons le road mon desktop. Ok, si moi le road mon desktop, je supposais là. Check and put, je vais trouver test. Poser là. Allez là. Test. C'est moi, je mets .html, je vais vous dire qu'à ouvrir pas un browser. Ok. Et si nous right-click là, nous faisons open with, je vais open with Chrome. Si nous ouvrons pas Chrome, voilà. Ça qui me paraît. Vous trouvez? On ouvre pas Chrome. Et voilà le résultat qui me paraît. Correct? Maintenant, nous continuons à suivre la classe. Nous allons finir par ça pour maintenant, nous continuons le notes. Je vais dire mon esprit de zut, mon mode de comment on prend sa code là, comment on run et qui résiste à mon gagne. Maintenant, nous continuons. Si vous avez la question, nous continuons. Voilà. Maintenant, deuxième code, nous allons guetter. Correct? Nous allons programmer le JavaScript maintenant. Maintenant, nous allons guetter comment créer variable. Nous allons créer variable x, y, z. Correct? Allez. HTML, close HTML, body, non fini faire, paragraphe. Et là, nous mettons script, le JavaScript code, script, close script, et nous mettons var. Var veut dire nous créer variable. Dans VB, comment on appelle ça? Dim. Dans VB, on appelle dim. Et dans JavaScript, on appelle var. So, var, x is a variable, et il y a un integer. On donne initial value 5. Y, il y a un load variable, et so value est 6. Et z, il y a un load variable, que je vais prendre x avec y, je vais ajouter. Et les mots rendent ça code là qui peut arriver, document.write, via console.write line, dans VB. The value of Z is, comment on écrit? Plus. Plus. Dans VB qui nous servait n sign. Et dans JavaScript nous servait plus. Via dire, il vous prend 5 plus 6 faire 11. Et the value of Z il vous 11. Maintenant,
Regedly. Script, close script. C'est un enfant. Script, close script. Trois variables m'ont créé. X, Y, Z. X sur valeur 5, Y sur valeur 6 et Z sur valeur X plus Y. Et là, nous avons output sa valeur là. Document de write with the output. Voilà. Et nous avons un body JavaScript variable par là haut. Et this is an example, ça paraît là. Et JavaScript, qui peut faire? Il crée trois variables et il peut output résultat, le résultat X avec Y. Bon, si pas ne comprend diamant, si ne comprend mon cas conscient. Maintenant, un enfant qui va faire, il va chip ça dans le code là dans Notepad et il va tester ce résultat. Bon, comment il va chip ça dans Notepad? Il va aller, il chip ça dans Notepad, comme ça. Voilà, il crée ça dans le code là. Et là, c'est vous. Après, comment est-ce que nous faire? Nous right-click de nos files, nous open with nos browser. Ok, nous open avec nos browser et nous vous trouvons le résultat là. Voilà, là, nous open de nos browser, nous vous trouvons le résultat là. D'accord? J'espère que tous les enfants comprennent comment nous écrire le code et comment nous run. Maintenant, nous continuons l'explication. Je veux dire, là, les enfants qui sont en train, qui JavaScript ou capable de déclarer variable. Et comment on déclare variable dans JavaScript ou c'est VBOR? Dans VB, comment on déclare variable? DIM. Et dans VB, comment on va envoyer un output dans l'écran? Ou dire console de write line. Et dans JavaScript, comment on va envoyer un console dans l'écran? Ou dire document de write. Voilà. Ça, la ligne avait parlé de value of z is equal to 11. Et qui nous servit plus? Qui nous servit? Ça plus sign là ici. Et valeur z qui nous calcule. Bon, si quelqu'un a un problème, les diamants, vous avez envie de causer aux autres. Si vous avez un problème, vous pouvez continuer. Allez, vous pouvez stop. Oui, allez, causez. Ça veut dire que vous parlez de moi, vous avez apparemment un moment comme un an qui est différent. Exactement, moi, je suis. Et de vous trouver la fin de sa classe là, tu disais que tu connais, allez, moi pour causer toi, tu te barres. C'est, tu veux dire causer moi pour me connaître, si moi je vous explique bien ou ça moi je explique bien. Tu connais, là tu en prends HTML de Form 5. Tu n'as pas qu'à programmer. Qui veut dire programmer? Tu n'as pas qu'à faire selection, tu n'as pas qu'à faire ifs and else, tu n'as pas qu'à faire for loop, while loop, repeat loop dans HTML, tu n'as pas qu'à faire. Est-ce qu'il te comprend moi? Oui. Mais comment tu fais ton website vivre dynamique? Comment tu fais ton website faire un calcul? C'est-à-dire, besoin de nos websites, mettre ban, programming, code. Et pour mettre code, programming code, tu besoin de servir JavaScript. Est-ce qu'il, allez, pose-moi une question en commun, tu fais. Et tu comprends qui fait nous étudier JavaScript pour nous faire une website dynamique. Allez, c'est-à-dire, il est pareil comme un VB. Mais il a ce style écrit. C'est un peu bien d'emprunter ce style. Bon, première affaire qui te l'emprunte, mon recherche, mon desktop. Correct? Tout ban programming skills, tu peux emprunter. Première affaire, tu dois apprendre qui tu besoin d'écrire un code dans Notepad ou Notepad++. Et un code JavaScript, tu es capable de mettre dans body, soit tu es capable de mettre dans healthy. Et si tu es capable de mettre en bas body, ceci te dit. C'est mon code JavaScript, comment écrire un modifié? C'est script et close script. Est-ce qu'il te comprend en bout de là? Si tu n'es pas pour écrire dans script, JavaScript pas pour run. Correct? Et sa méthode qui nous peut servir là, c'est embedded. Embedded veut dire nous mettre JavaScript dans code HTML. Correct. Mais nous devons écrire dans une file séparée. Et nous allons compliquer la vie là. Nous continuons à faire simple. Correct. Deuxième affaire. Est-ce qu'il te comprend? Dans VB, l'être professeur t'explique-toi comment déclarer une variable. Qui lui servit? Dis-moi. Dans JavaScript, qui nous servit? Var. D'accord? Et là, nous mettons var x. Nous devons mettre this var x. Nous pas nécessairement equal to file. Veut dire que vous créez une variable x. Mais si nous mettons var x equal to 5, veut dire que mon fini déclare avec en même temps mon fini initialize. En même temps, des travail mon fini faire. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Oui, d'accord. Allez, si mon petit mettre equal to 5, nous mettons que var x point virgule. Qui veut dire? Mon déclare x. Mais si mon dire var x, non, var voir x is equal to 5. Veut dire, mon fini déclare li, en même temps, mon fini initialize li valeur 5. Bon, là-dedans, qui te l'emprunt, te déclare trois variables, x, y et z. Et z, il y a une valeur. Maintenant, dans VB, là, tu fais ça. Tu peux me montrer le résultat là, user là, x au valeur. Mais dans VB, nous servis console.writeline. Ici, qui commande te servir dans JavaScript pour envoyer un output dans l'écran? Qui te servit? Document.write. Ok, d'accord. Mais le document.write, il send un output on the screen. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Allez, là, il met inverted comma, close inverted comma. Ça, il voit un texte, il ne vous reste pas pareil. Mais dans VB, dans place, dans VB, dans place,
plus de JavaScript nous servit, plus de VB qui nous servit. Ensign. Tu connais ça, Ensign? Concatiner. Bien bon, petit fille. Concatiner. Ça, c'est un mot technique. Et de JavaScript qui nous servit, plus. Veux dire, là, pour plus, ça valait qui Z in gagne là. Valait Z qui gagne. 5, X plus Y. X plus Y, comment il dit? 5 plus 6. Comment il fait? 11. Mais the value of Z get low in paraît dans mon browser. The value of Z is 11. Dis bon, là? Bon, quand on continue un autre programme? Bon, ça, c'est moi si jamais tu as envie de run ce programme-là et trouver le résultat dans le browser là-bas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux ouvrir un notepad et tu peux écrire le code là et tu peux save as .html. Là, tu peux aller dans ton browser, tu peux right-click et tu peux open ce file-là avec ton browser. Là, tu peux trouver ton résultat pareil que moi, tu es là de faire. Est-ce qu'il te comprend là? Et là. Tu as trouvé? Là, le résultat là, tu peux parler. Et chaque fois que tu écris le code là, dans Notepad et tout le monde refresh les bien bon motif on va continuer allez nous continuons cette explication parce que là qui te permet d'apprendre programming style dans JavaScript allez nous prenons l'autre programme c'est JavaScript c'est Silicon allez là un simple programme on écrit allez bon ça coûte moi pour le dire toi HTML close HTML body close body etc moi pour dire qui me pourra en dire caster vous pourra script moi et close script. Est-ce qu'il te comprend? Ouais, d'ailleurs, tu peux suivre? Ouais. Allez. Non, cause moi, là, moi, bien comprendre, si moi, je peux expliquer bien. Allez, script et close script. Vous êtes JavaScript sur code là. Maintenant, si vous êtes à write a program to calculate area of a rectangle. Correct, là, moi, je vais suivre? Allez. Là, là, moi, je mets un title là-haut. Mais moi, je vais déclarer variable. Qui variable, moi, je vais déclarer? Length. Mais l'engue, ça, comment pour gagner valeur? Mon servi un commande ici, prompt. Te prompt, il paraît comment dans VB, j'ai moi qui ça fait, il paraît. Comment console de readline. Readline. Et dans readline, il y a enter the value of x. Mais prompt là, il peut prendre valeur là, et il peut servir de la variable qui appelle l'engue ça. Et prompt là, il peut redire enter the value of, bon, on fait une erreur là, moi, tu peux dire enter the value of width. Width, length avec width. On fait erreur là. Correct? Bon. Nous accorrions ça erreur là. Nous ouvrons un programme qui m'a écrit. Attends, nous mettons un coup. Nous mettons si mon ouvert ali, mon fait ali dans VB et mon monte dedans. Correct? Attends, hein? Nous allons un coup de faire une pratique là-dedans. Correct? Peut-être pratique là pour aider toi à comprendre. Et une fois que tu comprends, tu te dis à moi, hein? Allez, nous continuons. Nous vous faisons une pratique. Sample code. Et là, nous allons un code qui m'a fini écrire. Ah, il a ça. Je right-click, je vais dans Notepad ou Notepad++. Allez, ça me code. Est-ce qu'il te d'accord là? Allez, check un coup. Il a HTML, close HTML, body, close body, H1, correct, script. Ça me script. Tu es d'accord? Et en dans mon script, ça va un code là, on appelle ça code JavaScript. Et qui m'en a fait là, Ctrl Z. Allez là, ça c'est mon script. Correct? Et dans mon script, je vais créer variable. Qui va variable mon créer? Allez, dis-moi. Qui variable mon créer? Allez, right. Et rien qui m'en fait, moi, j'ai besoin de dire enter quoi ici? Length. Correct? Et moi, j'ai besoin de prompt. Tu peux trouver prompt là, comment il paraît là, tiens-moi. Et déjà, dans la ligne, qui m'en besoin de dire enter quoi? Width. Width, bien bon. On va programmer le JavaScript là. Et là, on crée une autre variable area, length times width. Est-ce qu'il te bien comprend? Allez, right. Maintenant, on montre le, dans l'écran. Comment on montre dans l'écran? D'abord, on servit console.write line, on servit document.write. On dit width se valait à telles affaires, length se valait à telles affaires. Après, il y a là, on servit une autre ligne, document.write, on dit area qui on calcule se valait. Allez, maintenant. Oui, vas-y. Rédiamant. Non, dans ce cas-là, nous ne pas nécessaire dire integer. Ouais, pas integer. Ou dire li, var, number, li pour finir connect, si pas te fait integer. Si tu mets integer, tu mets une valeur là-bas, il finit automatique. Pena, ah, sur des data, pas nécessaire dire sur des data. Pas nécessaire. Maintenant, écoute-moi bien. Fini connaît, bien bon. Astem, on veut gagner courage. Allez, Astem, on save ça. Regarde bien, motivé, on save ça. On save lui. Allez, mettons, on save lui le desktop même, pour me trouver lui.
correct, plus facile autrement dire un peu pour moi. Allez, moi c'est vous. Allez, m'appelle Arial Rectangle, mais moi vous mettre all files. Et là, moi vous mettre dot, moi vous mettre dot, h, non, ouais, html. Non, non, html, parce que mon embed code là dans html. Si moi tu peux écrire js, là moi tu peux écrire dans des files séparées. Correct, là mon embed, je mets le code là dans, dans code html, on fait un seul file. Moi tu peux faire des files séparées, mais je vois qu'il y a confusion. On met dans un seul file, pour expliquer plus facile. Allez, mon save lui là. Correct? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais dans mon desktop. Correct? Vous avez trouvé moi dans mon desktop là? Non. Ouais, là, moi dans mon desktop. Dans mon desktop, moi, je finis save lui là. Et il est bien supposé paraître là. Et il y a, vous trouvé là? Là. À ce moment-là, vous allez vous trouver ce résultat. Vous open avec mon browser. Correct. Vous avez trouvé un prompt, une paraître? Ça m'appelle ça un prompt. T'es là, moi, tu écris dans mon coding prompt, mais c'est la partie trop comprendre qui veut dire prompt. Voilà, get prompt. Prompt veut dire. Je devais prompt. On va dire. Allez, nous get un code synonyme mal écrit quelque chose. Nous réouvrir le source code. Allez, nous corrige nos links. Correct? L-I-N, L-I-N, G-T-H. Correct? Nous corrige. Si nous corrige, qui nous a fait? Nous save. Correct, nous save, les files save. Correct? Et là, qui nous fait ici? Ici, nous refresh. Vous voyez là? Attendez, hein? Nous refresh ça. Voilà, nous refresh. Qui dit bien, nous avons plein de paroles là. Il y a enter links. On va parler avec nous console de readline. Allez, mettons links, nous donnons une valeur 5. Parce que d'après toi, qui dit pour dire moi? Un autre prompt pour parler. Qui dit pour dire moi là? Très bien, motivé. Allez, enter links, mettons, on met les 5. Correct? Get un deuxième prompt, il paraît. Qui peut dire moi? Enter? 8. C'est bon là? Allez, moi, mettre 8 sur valeur 10. D'après toi, c'est qui il peut faire? L'infini qui a un length, l'infini qui a un 8. Il peut faire un calcul et il peut de moi 3 réponses. Voilà. Il dit 8 sur valeur 10, length sur valeur 5 et area sur valeur 50. Il veut dire 10 fois 5 fait 50. C'est mon résultat. Mais définitivement, moi, tu faisais sans man là, la ligne. Et sans ban la ligne, tu as besoin de mettre un, comment on appelle, biard. Et moi, vous faire aller là, un petit moment, tu vous guetter là. Comment sans la ligne, tu appelles ça biard. Tu as besoin si il est correct, si il n'est pas correct, moi, vous guetter un peu. Attends, moi. Moi, guetter si moi, quand mettre ça biard, là, là. D'après moi, les plus, et dans angle bracket, il écrit biard. Biard veut dire change line, d'après moi. Ok, je vais guetter un peu, c'est ça code là, moi aussi. Si il est pas marché, t'as rien au bout d'une zone. Ok. Bon, qui fait mauvais fait ça? On va dire, ils sont dans la ligne, tout pas pareil dans même la ligne, là, hein. Correct, là. Il y a une commande, moi, je vais servir bien. Correct. Et là, on quitte un espace. Tout le monde, ce problème, c'est JavaScript qui est sensitive, ça, hein. Si ils en mettent l'espace, capital, tout ça, tu pas faire bien, tu pas marché. Non. Vous devez, attendre, mais vous arrivez. Parfois, à cause de l'espace, les gars, pas moi aussi. Ok, on va réessayer, là. Ok, il me refresh, il me non. Bon, nous, quand on arrive, il nous coûte ça, coûte là, t'as rien, tiens. Ok, maintenant, nous continuons. Nous continuons, nous nuts. Veux dire, t'as programming, il y a des affaires qui te n'emprunnent. Allez, nous reprenons. Script, close script. JavaScript, comment écrire? Script, close script. Va, nous déclarons une variable. Nous faisons un calcul et nous avons le résultat là, dans l'écran. Tu es enfin correct, Oli. Correct? Correct, pas correct? Correct. Allez, nous allons continuer l'autre question maintenant. Écrire les séparés, il y a une commande bien. Il y a un lien en bas. Il est capable de quitter l'espace bien et à cause de ça, il n'y a pas de mort aussi. Et talent, c'est moi, il y a un voile en bas, moi, pour gagner, commande là, moi, vous mettez là-haut. Ok? Correct? Nous vous revenons là. Il y a dans l'autre bande question, il y a l'idée de vous gagner là. Allez, nous prenons l'autre question là. Voilà. Nous quittons sa code là. Bon, sa code là est intéressant là-dedans. Quitte non, prends là-dedans sa code là. Ok? Non, t'as l'air nous venir là-dedans. Nous prenons celle-là plutôt. Voilà. Là-dedans sa code là, si nous run, les enfants, nous quittons sa code là, il y a script et close script. Et qui peut paraître? Un window à l'autre peut paraître. D'accord? Et si vous copiez ça code là, voilà, nous copiez-le dans notre notepad, nous faisons un test. Voilà, nous copiez-le là.
et là nous PS li, nous save li, nous save li là au même nom, et là-bas on peut refresh et nous guetter qui est arrivé, les autres diamants qui peuvent arriver. Bon, là nous guetter nos script, un window pour paraît, et là window là paraît 11. Mais en plus de ça, dans nos passes, il peut écrire my first web page et my first paragraph. Bon, à ce temps, nous rentrons dans nos browsers, nous refresh, donc nos browsers ici là. Qui n'a arrivé le browser par là? Non, attendez. Hein. Ce code-là, il appelle test 11, non? Nous rendons à test 11. Allez là, nous rendons là. OK, open. Et nous rendons là. Allez, je ne sais pas comprendre le diamant, hein. Qui n'a arrivé là? Voilà. J'ai trouvé un pop-up, un window, une paret, et une écran 11 là-dedans. Qui fait une paret 11? Voilà, get mon code. Et je dis moi si je vais comprendre. Si je vais comprendre, je dis script, close script. Qui supposé paraître un window alert. Ça n'appelle ça un window alert. Je trouve un window alert. Et dans window alert, là, qui dit vous paraître 5 plus 6. 5 plus 6, comment faire 11. Ça n'appelle ça un window alert. Si d'accord, on va prendre l'autre question. Voilà. D'accord. Je vais dire, je vais me concentrer là, un window alert là-dedans. Qui veut dire un window alert et une paraître. Maintenant, on prend l'autre question maintenant. Allez, suivez ça. Var x, y, z. Qui veut dire d'après ce salarié-là? Nous allons créer trois variables. Qui va une variable nous créer? X, y, z. Dans JavaScript, nous appelons var. Dans VB, comment nous allons appeler ça? Dim x, y, z as integer. Maintenant, on appelle ça declaration of variable. Ça qui nous veut faire? Initialization of variable. X n'a valeur 5, y n'a valeur 6. C'est là qui nous veut faire. On appelle ça assignment. Qui veut dire assignment? Z pg une valeur pour faire un calcul. C'est-à-dire, il prend x plus y et z pg une valeur. Maintenant, même affaire, il fait. Il crée trois variables, il déclare trois variables, et il initialise à des variables, et là, il fait un assignment. C'est-à-dire, z une valeur pour faire un calcul a plus b. Maintenant, là, il crée une autre qualité variable. Person, il n'y a pas une integer, ça, voilà. Il y a un texte. Veut dire, si dans VB, nous, tu fais ça, nous, tu dis person a string. Qui nous dit déjà dim person as string. Mais dans JavaScript, qui nous vient? Nous écrivons var person equal to un text. Et rappelle bien, tout commande dans JavaScript, il finit par point virgule, point virgule, point virgule, point virgule, partout. Tout commande dans JavaScript, il finit par point virgule. Maintenant, ici, qui me nous les enfants à apprendre? Comment créer une variable integer et comment créer une variable string? Comment créer une variable integer, il en prend, et comment créer une variable string? Et ici, nous allons prendre comment initialize variable. Et ici, nous allons prendre comment faire un assignment. Assignment veut dire travail côté droite, avoir côté gauche. Allez, si Darko, mon cas bougé. Allez, maintenant. Allez, allez. Dans VB, les enfants, vous connaissez votre café, van comments qui compile, il ignore, il va prendre compte. Mais dans JavaScript, vous pouvez faire van comments. Vous savez, ça, des forward slash, là, comme ça. D forward slash, on appelle ça line comment. Mais déjà, si vous mettez D forward slash, qu'est-ce que vous mettez là, moi j'ai écrit là, moi j'ai donné l'exemple. Moi, pas, j'ai envie de s'apparaître. Moi, je mets D forward slash comme ça. Mais déjà, ça la ligne là pour comments. Mais déjà, compiler, interpréter pour ignorer ça la ligne là. Mais déjà, pas pour trouver. Maintenant, si vous avez un bloc of code, moi, je mets this and la ligne. Moi, j'ai une série de code. Les là, moi, servi forward slash, astérix et astérix forward slash. Ça qui diffère, il est capable de commettre multiple lines. Par exemple, qu'est-ce que l'exemple là? Forward slash, astérix, astérix, forward slash. Tout ça va code qui est là, en dans là, il vient d'un commentaire. Veut dire, interpréter, ton browser, pas pour interpréter, ou ignorer. Et ça, moi, je vais montrer dans mon code. Fait que moi, dire là, moi, j'ai beaucoup de code dans JavaScript, mais moi, pas envie de rendre, moi, je suis capable de mettre là, comme ça. J'appelle ça block of code. Veut dire, si moi, fais un forward slash, star, astérix, tout ce qu'il trouve en dans l'île, il peut pas le commence. Mais il n'y a pas pour parler de pas interpréter ton browser pas trouvé. Mais il y a bon commence. Mais bon, il y a des cas de commence qu'ils ont en prendre là. Line commence. Line commence veut dire qu'il commence juste la ligne. Et block of code, beaucoup la ligne, te mettre entre sa décode là. Correct? Maintenant, ça correct. Voilà, block of code, moi, fini. Ah, c'était une vraie programmation commencée. Waïda pour dire moi. Waïda, vous pouvez en prendre. Les professeurs expliquent-toi un langage à la programmation. Définis, explique-toi sequence. Aster, qui peut expliquer-toi, modifie. Sequence fini là. Dis-moi là, il m'a bien dire. Sequence fini. Là, qui peut expliquer-toi? Selection. D'accord, modifie?
Allez, sélection, la décalé sélection pour te comprendre dans sa langue de programmation. Qui te comprend? If then else, après select case. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Allez, if then else avec select case. Maintenant, dans VB, tu connais, tu écris if, là tu mets condition, là tu écris then. D'accord? Mais dans JavaScript, tu comment nous écrire? Nous écris if, dans bracket, nous mettons sous condition, mais nous servons curly braces. Tu as tout ça, curly braces, tu as tout le code pour là-dedans. Correct? Right. Maintenant, vous allez donner un exemple pour te comprendre. Et else, qu'est-ce qu'on va nous servir? Nous écrivons if, nous écrivons sur condition dans la bracket, nous ouvrons à ce curly braces là, s'il est vrai, nous pouvons faire ça, bloc en code là. Else, nous réouvrons à ce curly braces, nous fermons, et en bas, nous pouvons écrire un code qui est false. C'est-à-dire, ça coulait VL là, ce qu'il devait trouver là, s'il est true, nous pouvons faire ça. Et else, s'il est false, nous pouvons faire ça. Maintenant, tu vas pas trop comprendre. Vous allez prendre l'exemple pour te comprendre bien comment nous vous servir ça. Correct? Allez, nous rentrons nous. On prend l'exemple, on regarde si on écrit un code de. Si on fait un programming de ifs and else, tu peux vous dire si on écrit. Attends, nous mettons un code. Dans mon sample code. Voilà, nous mettons un code ici, dans quelque chose là-bas. Ok. Nous mettons un code. Si on tient un programme là. If then else, si vous voulez vous faire démonstration. Ok. Aïe là, vous trouvez un code là. Allez, ouais, là, te la sens bon. Moi, j'ai un programme pour toi là. Allez. Allez, get ça code là et te dire moi si tu comprends. Si tu ne comprends pas, te dire moi. Allez, nous commençons. HTML, close HTML, pas rien pour dire. Body, close body, pas rien pour dire. H1, ce title, vous parlez de correct, pas rien pour dire. Script, commencez là. JavaScript, commencez là. Et il y a embedded. Il y a embedded dans ton HTML code. Correct là? Oui, là? Oui. Allez, qui des variables tu crées? Dis-moi. Log avec gray. Très bien. Qui commande ton service pour créer variables dans JavaScript? Log. Ouais. Dans VB, qui tu peux dire? Bien. Bon. Mark as. Top, top, top. Allez, à ce mark, comment vous gagnez une valeur? Dans VB, tu as servi console de readline. Mais dans JavaScript, comment tu as servi? Tu as servi un prompt. Un prompt, c'est même une window par rythme. Un prompt, tu as mis une valeur là-bas. Allez, dans prompt là, qui est pour prompt de user? Enter the mark, the value of mark. Tu vas pour, il va par rythme. Tu as l'air de faire sur pratique, tu as l'air de vous chipper, toi. Mark pour gagner une valeur. Est-ce qu'il te comprend ça? Allez, les marques finissent avec un valeur, variable finit avec un valeur. Bon, là, on crée encore une variable. Comment appelle ça? Grid. Grid. Et grid, qui se data type d'après toi? String. Bien bon. Et mon initialize, qui mon initialize d'après toi? Black. Black, très bien modifié. Exact ce que tu faisais répondre moi. Et, get bien, après ça, JavaScript, ce code, nous avons point virgule, semi-colonne, vous trouvez? Semi-colonne, tu faisais observer ça. Je ne pas mettre ça, il n'est pas pour moi aussi. Veut dire, si nous avons envie de faire ça dans VB, nous avons dit dim mark as integer et nous avons dit dim grade as string. D'accord? Mais dans JavaScript, get comment nous faire. Et deuxième affaire, nous avons dit mark is equal to console.readline. Pour mark gain valeur. C'est moi, avant de console.readline, capable nous avons dit console.writeline, please enter the value of mark. Capable nous avons dit. Allez. Tout ça là, nous finis faire là. Maintenant, étudiez ça. Vous te dire moi. If mark le plus grand ou égal 40, get sa bracket line ouvert, sa bracket line fermé. Qui veut dire si point plus grand que 40 ou égal 40, grade qui peut arriver? Ouais, grade qui va aller passe. Else, de nouvelle bracket, de ferme bracket. Si grade pas passé, qui lui peut arriver? Fail. Fail. Ouais, tu comprends? C'est-à-dire, d'après point là, si il est vrai, tu peux faire ça. Si il est faux, il peut faire ça. Est-ce qu'il te comprend? Allez, l'être infini, grade infini est invalide. Qui nous peut écrire? Nous pouvons console de right line. Mais ne pas dire console de right line dans JavaScript. Qui nous dit? Document de right. Et nous dit student là, ce point, c'est ça, concaténé là, plus ici, concaténé de plus, marque ce valeur. Mais là, nous dit, c'est là, mettons, il y a 50 points. Tu comprends? Et là, en bas, nous le sais, avec une autre console de right line, nous dit grade. Il veut dire d'y passer. Allez, à ce qui nous a fait là, Waïda.
Nous allons tester les. OK? Allez, pour tester les, je vais faire File, Save As. Je vais mettre mon desktop, je vais essayer de plus facile pour moi. Mais rappelle bien, je vais mettre All Files là. Et je vais mettre .html. OK? Tu vas suivre moi là. Normalement, avec la HTML. Correct? Allez, je vais essayer de mon desktop. Correct? Je vais trouver. Correct? Voilà, je vais essayer là. Mon ferry là, mon save. Parce que qui va le faire? Vous êtes ouvri pour mon carré. Bon là, est-ce qu'il y a le mot desktop là? Non. Bon, pas le mot desktop. Pourquoi on a besoin de le mot desktop là? Allez, votre programme là. Ok, programme là, tu appelles. Ouais. Ifs and else, pas quoi, tu appelles. Tu as trouvé non? Tu as trouvé côté là-haut en bas. La troisième colonne. Troisième colonne, ouais. Pas trouvé, ouais. T'as trouvé, non? Oui. On va avoir l'icône de la coupe, on va trouver. Ah ouais, on va trouver là. Allez là. À mon right-click, on fait Open with and Browser. Il est bon là? Voilà, regarde comment on ouvre, là, ouais, là, tu verras voir qu'on a fait, là. Ça, c'est mon source code. Ouais, ça, mon source code, là. Comment on ouvre, là, une prompt, une pareille. Qui l'y peut dire, moi, de prompt, là, dis-moi. Intermark. Ouais, intermark. Correct? Bon, si, classe-là, terminé, nous vous relancez une autre classe. Intermark. Allez, mon mes enfants-là gagnent 50 points. Qui dit pour faire, là? Dit pour dire, moi, tu connais, les enfants-là, ce point, les 50 et ce grade, du passé. D'accord? Allez, je re-refresh. Je redemande-moi de ce point. Ça va là, je vais faire du fil. Je vais donner 30 points. Qui dit que ça va là, ce point 30 et du fil. Est-ce qu'il peut bien comprendre JavaScript comment ça va fonctionner là? Oui. Je veux dire, JavaScript. Ouais, JavaScript, ce qui te comprend bien, vous allez créer script et close script. Et ce qui te comprend, comment créer variable, correct, et comment servir prompt pour te donner. Une valeur pour prendre une valeur et ce qui te donne à prendre if and else, comment faire if and else si condition là vraie il fait ça, si condition là fausse il fait ça et tu es capable de commencer par un curly braces et de réouvrir un curly braces de end. Est-ce qu'il est correct ça? Maintenant, Waida, tu même te vous dire, moi si mon finis plutôt à if and else, tu me comprends, il y a ça sur structure à écrire if condition, elle a ouvert bracket, ferme bracket, curly braces, tu vois que c'est true. Else, ouvert bracket, ferme bracket, c'est default. Ça, c'est écrit if and else. Est-ce qu'il te comprend sa partie là, Waida? Oui. Allez. Maintenant, si bien, faites-en prendre un nouveau langage de programmation, comme JavaScript. Les finis scripts, toi, if and else. Qui d'après toi, il va l'expliquer? Qui d'après toi, tu vas l'expliquer? Yes. Ouais, c'est la case. Très bien modifié. Là, tu vas commencer à lire mon esprit. C'est la case. Allez. Mais seulement, dans JavaScript, il n'est pas appelé ça, c'est la case, malheureusement. Il appelle ça switch. Même affaire, mais ce non sensé. Je veux dire, dans JavaScript, il pas appelé select case, il appelle switch. Mais switch là, comme un synonyme pour select case. Est-ce qu'il te comprend? Même affaire, c'est ce mot là sensé. Allez, switch. Là-bas, qu'il y a une check là. Select case, là, on met une expression. Et si case lit ça, tu fais telle action. Si case lit ça, tu fais telle action. Et default veut dire case else. Ça, c'est structure pour écrire. Mais c'est moi de vous faire une pratique là dans mon fil. Correct? Voilà si la case comment écrire. Bon, on va le guetter un coup, ça l'exemple. Là. Allez, nous étudier ça l'exemple là, et te dire moi si tu comprends ou bien tu comprends. Bon, toujours, script. Et en bas, qui dit pour dire? Close script. Ça te comprend, parce que JavaScript, vous avez créé un script. Correct dans mon fil? Allez. L'in créer une variable. Variable là, comment appeler ici? Dis-moi. D. Bien bon. D, l'incrène variable appelle D parce qu'il ne servait var. Var là, il y a l'incrène variable. Dans VB, tu peux appeler dim. Dans JavaScript, tu appelles var. Très bien. Maintenant, switch. Switch là, dans ton VB, il appelle ça select case. Correct? Bon, ça bout là, date. Je veux dire, il peut get dans mon computer ce date. Date là, je veux dire, dans mon computer ce date, il peut prendre. Ça, tout ça là, c'est, il prend date dans mon computer. Je veux dire, il peut commencer à D. D qui joue dans mon computer. Si je dis dans mon computer, L'I7D, je vais dire, il va aller 6.
ça veut dire que vous avez 6. Vous voyez que si les 0, vous avez 100, si les n, vous avez moins d, si les d, vous avez Tuesday, si les 3, vous avez Wednesday, vous pouvez aller comme ça. Et si ça veut dire que vous avez 6. Bon, vous voyez qui peut redire une variable qui appelle d, et d, vous pouvez une valeur, soit les 100, soit les mondi, soit les Tuesday, vous pouvez aller. Et derrière les ressources, dans cette case-là, vous pouvez a putain d'affaires dans l'écran, console de right lines, un document de right. Il y a today is, aujourd'hui ce date. Et qu'est-ce que ça commande là? T'as un petit fait erré à travers, quand l'on dit demande une question, le monsieur commence sans aligne. Mais bios, avec la bios. Mais qui erré, un petit fait, il va se mettre double inverted comma là-dedans. Double inverted comma, les bios, les sans aligne. Correct? Ça ne vaut rien faire. T'as un petit demande, mais comment tu fais un erré, on va se mettre inverted comma là-dedans. Maintenant, si nous run, mais il va ouais, moi, j'expecte les vingt textes, mais il n'y a pas vingt textes, ni sans la ligne. Nous pouvons tester l'italien, nous pouvons checker là. Bon. Allez, right, là, quel diamant? C'est la case. Ouais. C'est un latte, diamant? Ou ça plie avant? Ouais, c'est un. Bon. Ça, c'est cette structure qui t'a besoin de connaître comment écrire. Vidia switch, on doit te mettre condition, et si l'X te vous fait telle action, si l'Y te vous fait telle action. Bon, on peut une ta action là. Correct? Il paraît que moi, c'est la case. C'est la case à marque. Si marque les 0 à 39, Vidia grade pour fail, et comme ça, tout ça va en option là. Et default, on appelle ça case else. Correct? Allez, nous continuons de guetter si nous. Ouais. Break là qui fait mettre pour les sauter depuis dans sa option là. Les sauter depuis dans sa case. Mais si première condition est satisfaite, break, mais déjà sauter depuis dans sa case. Il n'est pas pour continuer à guetter l'autre bonne option. À cause de ça, il met break. Là. Correct? Maintenant, tu faisais faire une pratique. Allez, on a guetté un code 6 à même, on a un code qui est fini écrit dans la case, un switch. Et tu peux joli pour ça, mais je ne connais pas, je vais si moi j'ai quelque chose pour montrer aux autres, soit je vais dans l'autre, ça c'est une question là. Bon, c'est tout correct là. Ouais, il y a ça option là, je vais comprendre là. Ok, script, il crée une variable D, et si D gagne, si case, je dis ce date, les 0, les boussins D, etc. Vous allez prendre tout ça option là, et derrière les voir output. Et ça, qui te supposé trouver dans ton écran, today is Wednesday. Mais pour moi, je vous trouve today Wednesday, je vous dis. Je vous trouve today, je vous dis Saturday. Allez, moi ouvrir un code pour montrer aux autres. Charbon, moi j'ai un code là et mon montrer aux autres. Là, je vous comprends les plus bien. Correct. Allez, moi dans mon document, là-dedans, on rentre dans mon sample code. Charbon, on va finir faire un code pour montrer aux autres. On rentre là-dedans, on écrit un exemple pour que je comprends. Non, 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 on fait rien là. Et sample code, oui, sample code. Allez, moi, comment faire N là? Allez, Waïda, je suis moi là, hein? Si, peut-être que j'ai pour me connaître, mais je vais comprendre ça, non? Moi, pour ouvrir sa code là, par toi, notepad, ça, notepad, plus, plus. Qui fait pour ouvrir, pour get code là? Allez, nous étudier sa code là. Allez, toujours là-haut, je te connais, ça, cela, moi, pas besoin de raconter. En bas, moi, pas besoin de raconter, je te connais ça. Ce qui est bien intéressant, c'est script et close script, parce qu'il nous met code JavaScript embedded dans code HTML. Correct là? Script. Et close script. Tu en fais correct là? Allez, si correct. Waïda, vous dire moi là, qui nous fait là, Waïda? Nous créons une variable. Variable là, comment appeler? Number. Et qui m'en servit? Un prompt. Est-ce qu'il t'en gagne comprend? Un prompt. Et qui m'en fait dire à user là? Enter the day number. Si moi, enter 0. Mais il peut venir dans switch là, avec number. Number vient dans switch là. Si number, on met valeur à 0, comme on dit, console la read line. Number gagne valeur à 0. Mais si il est 0, qui dit quoi, Kazo, dit qui joue? Ah, bien bon. Si on met number, on met valeur à n, qui dit quoi? Bien bon. Si on met 2, il pour ça, 3, il pour ça, il pour aller. Et dernier, il est allé, il est sorti, il est dans switch là. Il peut écrire. Ouais. Validation. Bon, il peut écrire, ouais, si il fait validation, on peut s'y faire input errors. Bon, moi, je parle trop en détail le programming, bout par bout, moi, je montre. Il peut écrire des numbers, variables, numbers qui m'ont input, et les règles, il peut écrire, je vous dis qu'ils ont été. Si pas, si vous mettez 3, il peut dire Wednesday.
et si vous mettez 6, vous pouvez sauter. Maintenant, qui est arrivé, ouais, là, vous avez testé. Allez, vous pouvez tester sa code là pour toi. Allez, nous checkons, écoute. Nous faisons file, nous faisons save as. Nous pouvons mettre le desktop même pour nous facile trouver. Et vous pouvez mettre all files, correct. Et nous pouvons tester. Ce qui est joli, ouais, là, depuis on prend un nouveau langage de programmation. Ok, switch.html, correct, mon save li. Et mon save. Non, attends. Save nous. Mon PC est évident, ça là-bas. Mon PC est évident, le desktop pour moi. Trouver. Là. Correct, là. Et .html est bon, mon save. Regarde, mon fils save. Maintenant, mon vin dans mon code, mon parle dans mon desktop, mon parle Rodli, mon pas te retrouver, te pour aider moi. Correct, allez, right. Et comment est-ce appelé ça, switch, non? Pas peut-être oublié, ouais, là. Qu'est-ce qu'il dit, là? Ça me fait rire, là, madame. Un search, là, par contre, on s'est avis, ça. Ah, ça, ne te colle un service bien, là. Pas qu'un mal service, nous référons. Attends, file, save as. Ouais, le desktop, même, nous mettons. Switch. Et nous mettons all files. Attends. Nous mettons all files là. Switch. Nous mettons dot html. Correct là. Et nous mettons desktop même là. Allez, right. Save. J'ai mis un replace. Mais j'ai déjà là-bas. Nous venons le mot desktop. Allez, mais comment on va créer une autre session là, non? Mais tu finis bloqué là, non? Allez, qui m'a fait là? Mon maître qui est là? 13 et 10, 13 et 1. 13 et 50, mon maître là. Allez, password not required. Allez, right. Allez, right. Maintenant, nous continuons à causer. C'est sur l'infini comment c'est là, non? Ok, vous êtes chez mon desktop. Ok, voilà. Voilà. Ok. Get and good. Ok.
Allez, nous pensons la plupart des élèves finissent joining et nous continuons. Correct. Ok. Bon, qui nous type servi, tu fais switch là. Ok, mon desktop link shared là. Oui, 29 élèves finissent à arriver. Je continue à expliquer. Voilà. Pourquoi? Ça nous code. Voilà le code. Maintenant, ce que tu peux expliquer, tu sais, vu le desktop. Ah, ils ont tout étonnement là? Ouais. Correct. Pensez que c'est tout correct. Maintenant, nous allons guetter un coup de code switch là, tu étais dans mon desktop. T'as tout lu, ouais, première colonne, monsieur. Première colonne, ouais. Ah, d'accord, merci. Là, mon open, mon faire open with, ça switch là, mon pour ouvrir avec un browser, c'est-à-dire. On voit mon retour sur résultat. Open switch avec un browser. Bien bon. Maintenant, on retourne sur résultat, sur l'effet. Voilà. Voilà. Allez, nous guettons bien. Il y a des affaires qui nous peuvent guetter, là. Dans notre pad, nous code et dans browser, résultat. Il peut dire nous enter des nombres. Allez, je vous dis 6, moi je dis non, c'est-à-dire. Allez, je mets 6, je mets OK. Qui dit pour arriver? Il peut dire moi. Find D. Bon, qui parle moi aussi là-dedans? Il y a des nombres, les 6, mais D là, tu peux apparaître, c'est-à-dire, je vous dis. Mais il peut apparaître, nous guettons, nous minimisons ce qu'il fait. Hein. Voilà. Tu peux apparaître là. OK, si tu prends la switch là. Ok, parce que D, les chips vont valer 6, si les chips 6, D, les chips vont valer 7 D, et là, les chips vont apparaître 7 D. Bon, qui est réel, il y a un problème. Ouais, les capables, on va connaître, mais il y a un problème qui fait, il va nous montrer, les chips vont écrire 7 D. Ouais, il y a un élève, il y a un break là. Capable, ouais. Correct, capable. Donc, on va essayer, nous guetter. On va essayer encore une fois. Capable, pas mettre break là-dedans, il va nous sortir. Ok, nous c'est lui, l'indienne d'affaires, nous c'est lui. Bon, je ne suis pas un expert dans JavaScript, mais je ne suis pas capable de montrer d'autres pour démarrer. Save, voilà. Maintenant, je regarde dans mon browser, correct, et je refresh là. Et là, je refresh, si je mets 6, nous mettons un coup. Je me paye enter. Non, il n'y a pas de paraître. Mais nous refresh, nous mettons un coup. Et nous mettons 0, nous mettons un coup de carré. Bon, il va me parler. Bizarre, qui est réel ou là, et bizarre au ok, ben bon, on va vous parler du bug, ça, il vous prend beaucoup de temps. Mais ce qui me conseille, c'est, voilà, je ne comprends coding là. Coding là, on déclare une variable, et on fait un switch, on a plusieurs options, et il prend une variable là, il est disponible. Ok? Je vous ai redit, debug du moment, et voilà, il est supposé paraître comme ça. Bon, là-dedans, différence qui est là avec ce programme qui nous guette là. Ici, D, ne pas nous prompter, ne pas nous mettre valeur là, nous. D, là, il prend valeur depuis date, depuis dans nos computers. Et là, il mettait automatique les puissances. Et si je dis cette D, tu parles de cette D. Ok? Ça, c'est le computer directement, tu peux faire. Maintenant, une minute en zut. Voilà. Le continuer. Vous êtes capable de tester ça pour moi. Mais nous allons continuer à aller montrer de l'unban skills. Allez, ouais, là, maintenant, on finit de montrer ifs and else, on finit de montrer select case. Maintenant, d'après toi, qui nous utilise à montrer, toi, si tu peux en parler un nouveau langage de programmation? Iteration. Ouais, voilà. Et nous vous montrer iteration. Ok. Allez, qui va en iteration? Loop. Qui te prend en prendre? Dis-moi avec moi. Allez, oui, ouais, là. Allez, nous vous montrer for loop, mais on peut scroller un peu en bas pour nous aller de ça, hein. Ok, voilà, nous avons roulé quand il était. Nous vous montrer tout un loop qui tenait envie en prendre. Vous avez pu en prendre, ça l'engage des programmations là. Voilà. Voilà, ouais, là, tu nous disais que tu as envie en prendre loop. Correct, parce qu'il te peut en prendre n'importe qui l'engage pour ça, pour expliquer-toi. Voilà, tout ça, on a fait skills, ça, on a transferable skills. Mais les skills qui te l'emprunt, depuis dans un langage à l'autre langage, on les transfère. Et il y a l'idée de partie théorie, là, tout ça, c'est transferable skills.
un skill qui transfère de un langage à l'autre langage, le même skill, si tu peux en prendre. Skill, ça pas changé. Bon, voilà, for loop, while loop, avec repeat loop. Ok, nous pouvons checker. Mais il n'y a pas de repeat loop ici, il y a pas de do loop until. Tu as un objectif, c'est licence intime. Mais nous avons le premier for loop, moi, tu fais. Bon, dans for loop, ici, comment il écrit? Il écrit for, et il a trois statements. Statement 1, il a point virgule, deuxième statement, point virgule, troisième statement, et là, il ferme bracket, là, en dans ses blocs of code. Dans sa curly braces, là, tu bloc of code pour exécuter. Mais bon, je vais te dire ce general statement là, capable de ne pas trop comprendre. Maintenant, on va regarder ce pratique pour te comprendre plus bien. Voilà. La pratique, tu as un statement 1 qui veut dire code pour commencer. Statement 1 là veut dire code pour commencer. On va dire var i is equal to 1. Et deuxième statement là veut dire code pour terminer. Et troisième statement là veut dire comment il pour augmenter. Maintenant, nous étudions ça. Voilà. Après, tu vas dire moi si tu comprends. Allez, HTML, close HTML, ça pas intéresse toi, body, close body, pas intéresse toi, ça fait des accords. Qu'est-ce que tu peux intéresser pour m'aider? C'est script, close script. T'es d'accord, moi? Ouais, là? Script, close script. Maintenant, il crée une variable. Variable là, comment appeler ici, ouais, là? Text. Initially, qui était? Qui se détaille? Ouais. Bien bon, bien bon. Top. Ouais, bien bon. Allez, deuxième variable, il crée, comment appeler? Ah, counter. Ah, très bien. C'est le loop, il y a un peu servir comme counter. Très bien. Mais c'est moi, en date de for loop, il y a trois affaires qui sont importantes dans cette braquette-là. Premier, la code loop-là pour commencer. Vous commencez à A et sur valeur N. Et code loop pour terminer. Déjà, là, veut dire code loop pour stop. Code loop pour stop. Tant que A, ouais, il est moins ou égal 5, il pour là, il pour dans le loop-là. Et ça, A plus plus, là, ouais, là. Le caractère, moi, qui l'est représenté. Je te rappelle bien de ton bébé. Non, tu connais, toi? De ton bébé qui les représente. Soit fanfan, dis-moi. Ah, I plus plus, de ton bébé qui les représente. Next. Ouais, très bien, mon garçon. Ça me représente ton next eye en bas de ton for loop. En bas de ton next eye. Ton next eye, l'aime pas veut dire ton incrémenter. I, next I, tu vas dire de for loop en banit. C'est même pas veut dire I is equal to I plus 1. Bon, si on a pu écrire le mot desktop avec un comment dire, hein? Allez, nous continuons. Pour un for loop, moi, c'est Waida, il y a trois paramètres en ligne. Est-ce qu'il te comprend? C'est for loop là, I sur valeur, il commence par N. Et il peut arrêter quand I, il arrive 5. Et ça, I plus plus M, c'est M veut dire ton next I, veut dire I là pour augmente pas N chaque fois. Est-ce qu'il te comprend? Oui, monsieur. Ouais, je finis I plus plus et pas plus I plus. Bon, les là, tu connais qui nous utilisons faire la Waida. Nous utilisons explique operators avant Windows Loop. Si tu l'es dans le operators, un petit moment, les là, tu as nous réunir nous faire nos trois loops. Oui. Allez, nous allons faire operators. Ouais. Ouais, ouais, dans India, nous comprenons bien faire un petit révision le operators avant de win the loop. Bon, là, mon pensée, ça nous dit skip ça, notre ça, mais mon pensée nous vient là-bas, parce que tu vas vous comprendre ici. Allez, nous allons get le nouveau operators, dans quelque chose qui, nous pas pour get tout, nous get dans quelque chose qui est important pour te comprendre. Ouais, il vient là, depuis là, il vient. Bon, il y a trop simple là, tu peux dire, moi, trop simple. Plus, tu connais que j'ai plus, mon pénal non, pour dire. Minus, tu pénal non. Astérix, multiply. Bon, astérix, astérix veut dire exponential. Pas nécessaire de rappeler, mais correct. Il veut dire exponential. Forward slash veut dire division. Correct? Ouais. Ouais, slash là veut dire division. Et percentage qui veut dire modulus. Tu te rappelles, percentage veut dire modulus. Tu te rappelles modulus, mode, mode, M-O-D? Oui. Ça. Ouais, dans sa langue à il écrit percentage. Veut dire mode. Ok? Sa barre là veut dire div. Ouais, allez, nous continuons. Maintenant, qui veut dire plus plus? Plus plus veut dire il augmente par n. Veut dire comme si x is equal to x plus 1. Et minus minus veut dire décrément. Qui veut dire décrément? Ouais. I is equal to I minus 1. Très bien, modifié. Très très bien. Je vous dis, moi, gagne courage. Ouais. Veut dire plus plus veut dire, si on a envie de réécrire plus plus, c'est x is equal to x plus 1. Et si nous avons envie que minus minus veut dire x equal to x minus 1. Très très bien. Sans m'expliquer, tu vas comprendre. Allez, nous continuons.
Ouais. On continue. Bon, on continue à expliquer. Get bien. X equal to y, puis là, non, il y a plus dietro. Mais c'est voici, on écrit x plus y. Get comment on écrit dans JavaScript. X plus y, écrit comme ça. Et en VB, écrit comme ça. X is equal to x plus y. Mais dans JavaScript, on écrit x plus is equal to y. Ça dit la même affaire, ça. Mais c'est parce que dans JavaScript, on dit comme ça. Veut dire plus equal, veut dire x is equal to x plus y. On écrit comme ça dans JavaScript. Et dans VB, veut dire ça. Allez, x minus equal to y. Veut dire x is equal to x minus y. Correct? Ça, c'est JavaScript. Ça, dans VB. Nous continuons. X multiply equal to y. Veut dire x equal to x multiply by y. X divide equal to y. Veut dire x is equal to x divide by y. Ça c'est JavaScript, ça c'est VB. Maintenant, x percentage y, veut dire x equal to x modulus y, modulus remainder. Maintenant, nous continuons. C'est x modulus y. Ouais, bien bon. Correct? Allez. Maintenant, equal to, écrit comme ça. Equal and equal type, ça moi-même, moi pas trop connais. Je pas vous trop servir ça, mais equal, nous pouvons écrire comme ça. Correct? Allez, allez. Nous continuons. Ah, c'est là que vous oubliez de connaître. C'est là pour gagner dans l'examen. Not equal. Et comment écrire not equal? Not equal. Vous avez dit not equal, ça. Un exclamation mark avec equal. Vous dites not equal. Correct? Ouais. Bon, ça n'est pas examinable. Ça n'est pas nécessaire de connaître. Not equal value, not equal type, pas nécessaire. Ça, tu besoin de connaître. Greater than, tu besoin de connaître. Less than, tu besoin de connaître. Greater equal, tu besoin de connaître. Less equal, tu connais. Et question mark, trinary operator, mon passé avait dit moi, mais nous continuons. Ah, côté examinable, mon bout de toi. Allez, j'ai maintenant pas créé le mot d'écran. Ça examinable là-dedans. Tu as besoin de connaître ça bien, bien, bien. Ça opérateur là, bien important. Ok? Découte and sign. Qui veut dire ça, mon petit fils? Dans JavaScript, vous avez ça souvent des fois. Découte and sign. Veut dire. And, bien bon. Comment est-ce que je fais the condition if, comment dire, x is greater than y, and y is greater than exact. Y. Exact. Veut dire, top, top modifié. Veut dire, quitte là, si tu trouves ça symbole là dans le code, veut dire n. Et si tu trouves ça symbole là dans le code, qui veut dire? Oh. Et si tu trouves ça symbole là dans le code, ça exclamation là, qui veut dire? Not. Non, très bien. Ok, mais déjà, je vais envoyer un JavaScript là. Hein? Bon, nous allons try it. Nous allons try it, mais là, nous allons gagner le temps. Là. Allez, ça, l'examinable, ça veut dire N, ça veut dire O, et ça veut dire not. Exclamation mark veut dire not. Correct? Vous allons continuer? Allez, là, il fait une question là. Regardez, X au valeur 6, Y au valeur 3, il veut dire X. Et 6, est-ce qu'il est moins que 10? 6, est-ce qu'il est moins que 10? Oui. Et Y, il est 3. Est-ce qu'il est 3 plus grand qu'il y a un? Oui. Mais si là, il est oui, et là, il est oui. Tout le dé, oui. Réponse bien true. Au revoir. OK. Et comme ça, il continue. Maintenant, nous continuons encore un opérateur, s'il est important ou des autres. Mais ça, très, très important. Hein? 3 là, bien, bien important. La 3 là, obligé de connaître. Ce qui n'est pas important, moi, vous dire aux autres. Allez. Maintenant, ça, nous déjà connaît. Equal, ça nous connaît, x plus y veut dire x, ouais, x plus equal to y veut dire x plus y nous connaît, ça minus nous connaît, ça multiply nous connaît, ça modulus nous connaît. Bon, ça n'a pas nécessaire, connaît, ça déjà non, pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire. Break, ouais, ça pas nécessaire, nous continuons à se dire. Bon, while loop, for loop, ifs and else, nous faire, function, t'as rien, on va l'expliquer, switch nous connaît. Nous continuons. Var, on finit de déclarer variable. Break, t'es là, colonne, tu poses question, veut dire tout terminer. Break veut dire tout terminer. The switch or the loop. Break veut dire quoi dire? Stop. Sorti. Next. Ouais. While, là, on connaît. Ifs and else, on finit causé. Switch, on causé. Ça, on quand même notre mauvais regretter. Bon, nous retourne avec nos notes, ça se termine. Loop. Ok? Nous allons faire cette petite affaire qui appelle révision là, le côté. Maintenant, nous retournons. For loop, il y a trois statements en dedans. Quand il commence, quand il termine, avec ce increment. Et dire, nous avons trois statements. Encore, on va essayer.
on crée des variables, text, les blagues, les strings, i, l'integer, les one. C'est-à-dire, i peut commencer par le n et jusqu'à 5 pour arriver. Et qui veut dire ça, i plus plus là, voilà, c'est i is equal to i plus 1. Ouais, i is equal to i plus 1, comment ça, il dit à Fanfan d'ailleurs. Et là, Fanfan, il dit, comment dire, next i. Next i. Tu te rappelles de ton for loop, next i en bas? Ouais. Allez, ça d'après toi, le run ça. Document de write, qui veut dire, console de write line. Qui dit pour arriver? The value i equal to. Mais i premier coup, il pour 1. Il peut écrire the value i equal to 1. Et là, bio là, qui veut dire, sans la ligne. Bio veut dire, comment dire, console de write line, change line. Il peut écrire deuxième, the value of i is equal to i, il peut sans i, il peut plus 1, il peut écrire 2. Et the value of i is equal to 1, the value of i is equal to 2, the value of i is equal to 3, 4, 5. Il peut faire 5 fois ce qui est là-dedans. Il peut écrire the value of i, the i pour 1, il peut écrire 1. Et là, next i, i pour sans i, une d, une 3, une 4, une 5, 5 fois il peut faire ça. Maintenant, encore un petit point intéressant, faire un petit pratique là-dedans. Si possible, fais un petit pratique là-dedans, moi, nous donne le code là, les enfants là, qui a copié ce code là. Voilà, testez-le un coup. Et là, tu as posé question, hein, tu as posé question. Allez, je copie ce code là. Correct? Allez là, je copie lui là. Correct? Je vais ouvrir un notepad. Je vais un mode déjà ouvert, je vais ouvrir lui. Je vais copier lui là même, si je te dis. Ok, je vais payer lui. Il n'est pas laissé ma pièce. Ouais, il laisse ma pièce. Allez, rail. Est-ce qu'ils ont bien compris là? Et mon browser déjà ouvert. Mais c'est moi, browser va vous travailler là, il faut des mots save. Là. Allez, mon save. Allez, right. Allez. Qui code important pour vous identifier là? Script. Correct? Allez, allez, close script. On fait un tab pour. Aïe, qui fait y arriver ça? Control Z. Allez, je vais trouver là, script. Close script. Et mon créer mon dévoyable. Qui fait tab pas marcher là? Il y a un truc qui fait pas marcher. Là, il est marqué. Parce qu'il est trop dans le coin, il m'a fait trop. Il m'a fait agacer. Hein. Allez. Allez. Allez, ouais, là. Ça qui est intéressant, ça, pour un petit code là. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Script. OK? Et close script. Parce qu'il ne veut faire JavaScript. Allez, des variables qui m'ont créé. C'est bon, là. Text avec I. Text list string. Highly integer. Mais tu veux dire quitter l'espace là. Si tu as une copie, si l'espace n'est pas quitté, il n'est pas mort. Si tu as un script qui est sensitive, même si l'espace arrive à une erreur, il n'est pas mort. Et get mon for loop. I commence n, il y a jusqu'à 5, il peut augmenter next i. Et qui peut output in a curly braces, document de write the value of i. Correct? The value of i is i. Vous voyez là? C'est là, il peut n, d, 3, 4. Bio, il veut descendre là. Allez. Allez, maintenant, nous save lui. Après, nous refresh lui. Save. Et là, on refresh dans mon browser. Ouais. Allez, nous refresh dans nos browser. Vous trouvez là? I is equal to n, 3, 4, 5, 6, 5. Et allez. Maintenant, les enfants, si mon envie sans ça, on met 10. D'après toi, qui est pour venir? Allez, moi, sans ça, on met 10. D'après eux, qui est pour faire? File, save. Allez, qui est pour faire d'après eux? Allez, dis-moi. Qui on refresh de l'input de nous jusqu'à 10. Très bien. Comme si le bagnole est-ce que tu 6. C'est bon là? Est-ce qu'ils ont grand moi? Allez, moi j'ai bâti un petit guide. Moi pas envie de commencer code N. Moi envie de commencer code 5. Ok. Moi envie de commencer code 5. Est-ce qu'il est possible ça? Je vais un quit, faire file, faire save. Et là, mon refresh. Voilà. Vous trouvez 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'ils ont gagné un comprendre qui peut arriver? Comment que la voyez là? Oui, monsieur. Tu peux gagner un comprendre comment tu joues à loup là un peu? Oui. Allez, mais c'est moi, tout va le programme, on va pour réussir run tout est steady. Un des programmes pour run, vous autres gagnez un comprendre comment ça a déroulé. Et les restes, vous essayez de comprendre par eux. Ok? Donc, on va continuer mon explication. Bon, on va espérer la tête finie qu'on voit JavaScript, code nous écrire, et comment écrire un code, et comment run. Maintenant, on va continuer mon explication. Ok, on va finir faire for loop, ouais, là. C'est qui te peut expliquer comment faire pour toi? While loop. Allez, nous guettons un coup de signe car faire un while loop pour toi. Guettons comment t'en dire, mon d'un toi. Tu vois, c'est-à-dire, tu peux suivre. Ok, while loop, ouais, là.
Allez, while loop take a while, mais tu mets ce condition en dedans, et tu ouvres bracket, ferme bracket, et tu mets ton bloc of code. Tu dis correct là? Allez, nous prenons l'exemple, Pasteur. Regardez là. Nous prenons l'exemple. Et dans ça, l'exemple là, tu dis à moi, qui te va payer un contrat? Allez, script, correct. On déclare une variable i, on commence n. Et en dedans, on va écrire tant que i est moins que 10 ou égal à 10, tu fais sa loop là. Ok, et dans le plan qui m'ont écrit, c'est comment dire console.write line, c'est le document.write, correct là? Et the value of i is equal to i, et bio veut dire change line. Mais rappelez bien, là, on ne peut pas faire café bio parce qu'il ne peut pas mettre ça inverted comme ça. Et les là, tout cela va sans la ligne. Mais si jamais ne pas mettre bio, il va vous sans la ligne, tout cela paraît dans Excel la ligne. Correct? Allez. Et là-dedans, c'est le mot Waida. Ouais, donc vous allez mettre i is equal to i plus. Exactement, nous avons mis dans while loop là ici parce que dans while loop il va prendre là haut, il nous a mis en bas. Et rappelle bien qu'il fait nous mettre ça point virgule là, il te peut marquer là tout JavaScript sur code et la point virgule. Est-ce qu'il est correct? Tu as compris? Allez, est-ce qu'il m'a besoin nécessaire de rendre dans notre pad tu as là pour te comprendre ou ça va nous carabouser? Allez, demandez, bonnes enfants, carabouser. Allez, bousez. Allez, nous bousez. Parce qu'il y en a, tu connais, une fois qu'ils ont fini à mission à ban code là, nous calons vite. Nous ne pouvons pas essayer de prendre tout ban code et run. Parce qu'ils ont besoin de comprendre qui peut arriver. Maintenant, l'autre code. Ah, allez, Fanfan, toi, tu as déjà moi ça, qui était ça? Ouais, qui était ça? Qui m'a fait revenir? Qui était ça? Oui. Mais d'après toi, qui nous verra de montrer? Qui nous verra de montrer? Waïda, soit le fanfan. Qui nous verra de soit que lui. Rédiamant? Validation. Non, pas une validation, ça. Non, encore, on peut faire loop. Get Waïda pour répondre à si. Get Waïda, si tu suis mon logique, il y a une logique là-dedans. Moi, je dis, mais qui nous va l'emprunter? Déjà, monsieur, nous allons entendre iteration. Mais là, on dit, mais dans VB, nous allons prendre trois cas d'itération. Nous allons prendre for loop, while loop, avec repeat loop. Est-ce qu'il est d'accord? Allez, rate. For loop, on finit, explique-toi, mon petit fils. Correct? Deuxième qui te l'emprunte. For loop, on finit bien pratique. Deuxième qui nous l'emprunte. While loop. Correct. Efface ça là-bas, qui can, le mort de travail, si le mort de travail, c'est égal de homie. Allez, while loop, on finit, explique. Astère, d'après toi, Fanfan, qui nous peut expliquer? Très bien, mon garçon. Ouais, mais ça, ce qui nous permet de faire, c'est repeat loop. Mais c'est moi, il n'est pas écrit repeat loop dans JavaScript. Il n'est pas écrit repeat. Il est écrit do while until. Il est écrit do while. Il met sa condition là en bas. Dans while loop, get bien. Condition là-haut. Get dans while loop. Condition là-haut. Dans while loop, condition là-haut. Dans repeat loop, il n'est pas appelé ça repeat, mais il met sa condition là en bas. Get dit comme ça. Est-ce qu'il te comprend? Si tu ne comprends pas, j'ai marqué là. D'où? While, condition là en bas, condition là par là-haut. Je veux dire, il représente nos repeat loop. Mais c'est moi, de, ben là, pas écrit les repeat loop. Je l'ai écrit d'où? While, condition en bas. Est-ce qu'il te comprend? Allez, Moré, prends-le ou ça correct? Ouais, comprends-le. Comprends-le. Non, je comprends. De si, hein. Parce qu'il est là. Ouais. Oui, Moré, fais-le. Je veux dire, il y a trois qualités loop. Ça va falloir que j'attrape ça bien là. Hein. Il y a trois qualités loop. For loop, while loop et repeat loop. Mais c'est moi, il n'y a pas appelé ça repeat loop, il a appelé du while. Mais dans for loop, ce condition reste là-haut. Dans while loop, ce condition là-haut. Dans loop, while, ce condition reste en bas. Et dans for loop, ce condition reste là-haut. Là, tu rentres dans loop là. Dans while loop, ce condition. Dans while loop, ce condition reste là-haut. Là, tu rentres dans loop là. Mais dans repeat loop, il n'y a pas appelé repeat loop, il a appelé do loop, do while, condition là en bas. Et un exemple. Et ça l'exemple là, et si tu comprends déjà, tu vas comprendre déjà. Allez, script, tu es dans script. Et close script. Il est bon là? Ouais. Allez, qui variable tu peux écrire? Text avec I. Et comment il commence loop là? Il commence loop. Et en bas, il écrit while. Tu vois? Et tout ce qui est là dans loop là, il peut faire automatique. Bon, ça, document dans write là, il paraît comme de console dans write line. Il veut parler de ça. Et qui fait aller mettre ça i plus plus là? C'est un peu counter, counter is equal to counter plus 1. I is equal to i plus 1. Et tu peux répéter ça until i
i is less than 10. C'est-à-dire, vous répétez ça jusqu'à qui, non, tant qui i est moins que 10, tu brises en dents. Si i est plus que 10, là, tu sortis. Correct? Voilà. Et si tu remis là, probablement, tu gagnes ça résultat là. Mais tout simplement, tu as rappelé, c'est un aller sur condition ville en bas. Correct? Bon, je continue à expliquer. Ok. Mais j'ai une loop non fini. Maintenant, la loop finie, nous bizarre qu'on est, bon, on peut envie expliquer function, mais on va connaître si Banzélé, vous comprenez, moi. Allez, moi, c'est expliquer function, un petit bout. Un petit bout. Allez. Est-ce qu'il, dans VB, je t'y fais function avec moi? Avec ma sub. Et là, ouais, tu appelles function et te donner un nom. Function là te donner un nom. Une function c'est un sub-programme. Ce sub-programme là, il a ce nom. My function. Et dans bracket, si c'est le paramètre pour passer, tu passes ce paramètre. Ça curly braces là, la function là peut ouvrir. Et ça curly braces là, function là peut fermer. Et dans sa function là, une function c'est un sub-programme, tu peux créer une variable. Variable là qu'on appelle call name. Et sa variable là, plus qu'il y trouve dans une function, dans un sub-programme, on appelle local variables. Et sa variable là, on initialise une value appelée Volvo. Mais dire sa function là, il y a un sub-programme. Sa sub-programme là, son nom appelle my function. Et dans sa sub-programme là, on a une variable qui appelle car name. Et on appelle ça une local variable. Correct? Mais nous pas encore appelé function là. Voilà. Tu ne comprends pas qu'il veut dire local variables. Local variables, c'est une variable qui trouve à l'intérieur d'un sub-programme. Comment elle fonctionne, il y a un sub-programme. Correct? Bon. Là, tu trouves un little exemple. Il y a une function. Et sa fonction-là, il y a un nom. Tout seul chose. À l'intérieur, il y a un paramètre. Fonction à ouvrir. Et à l'intérieur, fonction-là, il va faire un calcul. Et je te connais qu'il fonctionne, il return une value. Il fait ce calcul-là. Et il return sa value-là. Et sa variable qui est dans X là, n'est pas local, on appelle ça une global variable. Qui fait le global? Parce qu'il y trouve en dehors fonctionnel, il a mis un programme. Et il appelle ça une global variables. Ok. T'as l'air de vous réviser la function. Bon, function, normalement avec la function, je donne ce nom, à l'intérieur, il y a un paramètre, et il y a un curly bracelet pour ouvrir function là, et un curly bracelet pour terminer function là. Get par exemple, dans l'exemple là, function, sa fonction là, ce nom, il appelle my function. À l'intérieur, il y a des paramètres, P1 et P2. Et il y a curly braces pour ouvrir function là. Et curly braces pour terminer function là. Et là, il peut return, il prend P1, il multiplie par P2, et il peut return ce value. Et là, intéressant, il peut call sa function là. Et là, il peut call my function, c'est-à-dire, il prend, il y a dans my function. Sa numéro 4 là, il prend le code P1. Sa numéro 3 là, il prend le code P2. Et qui dit pour faire? Il dit pour faire P1 multiplié par P2. P1 dit 4, P2 dit 3. Il dit 4 fois 3 fait 12. Il veut dire sa function name là, my function pour gagner valeur 12. Et sa function, sa valeur 12 là, il vous donne ça x. X pour gagner sa valeur 12 là. Bon, on répond, pour Manzélé qui parle trop comprendre. Function, c'est quoi, enfin, une function? Une function, il y a un sub-programme. Comment on écrit une function? Le service à commande qui appelle function. Et une fonction nous a donné ce nom. Et à l'intérieur de la bracket, nous mettons un paramètre qui peut rentrer dans sa fonction. Dans ça, l'exemple là, trois paramètres peuvent rentrer dans la fonction là, et chaque paramètre, il y a une virgule en dessous. Et fonction là, côté commencer, et côté terminer. Un exemple. Fonction, sa fonction là, il y a un nom. Ce nom, il appelle my function. Et dans la bracket, il y a deux paramètres qui peuvent rentrer là-dedans. P1 et P2. Et fonction là, ouvert là, programme là, ouvert là-dedans, et il terminé là. Mais comment tu appelles sa fonction là? Tu colles dans ton même programme. Et tu peux appeler pas ce nom. Il dit my function. Il dit my function. Dans le bracket, il prend 4 avec 3. Il veut dire, tu prends le code my function. P1 pour gagner valeur 4 parce qu'il est premier. Et P2 pour gagner valeur 3. Les P1 il gagne valeur 4. Et P2 il gagne valeur 3. Il prend 3. 4 avec 3. Il multiplie les autres. Et sa function name là, il return sa value là. Il y a 12. Mais de ça, il y a une valeur 12, mais de x, il y a une valeur 12. Bon, t'as l'air de vous retourner nos functions. Nous allons guetter une petite chose qui est plus intéressante encore. Nous vous retourner nos functions dans l'entièrement. Voilà.
Ok. Bon, ça ne peut récap' là, hein. Ne peut récap' un petit bout. Qui ne se finit pas quoi il y a là, if, then else. Ok. Bon, if, then else, ne se finit pas expliquer. If, là, la bracket condition, ouvert bracket, ferme bracket. Et un joli exemple, nous mettez if, hour, le moins 15, 18, là, greeting, une variable, il vous gagne valeur, good day. Ok, mais c'est plus comprends. Ça, c'est moi, je fais une petite révision, le if, then else, là. If, then else, so, general statement écrit comme ça. If, condition, ouvert bracket, quand if l'a commencé et quand if l'a terminé. Et un joli exemple, c'est if, mettons hour, du moins qui 18, disons, me donne hour 5. Puis 5, pas moins qui 18, c'est là qu'il dit pour faire. Greeting pour gagner valeur, good day. Ok, deuxième exemple. Si hour, du 18, du moins qui 18, greeting pour gagner valeur, good day. Sinon, si hour se valait, il n'est pas moins que 18, il est plus grand que 18, il y a là, greeting pour gagner valeur, good evening. Je veux dire, là, tu expliques aux enfants-là, comment servir if, then, else. Un troisième exemple, qui est un peu compliqué, je veux dire, ça, on appelle ça nested if, then, else. Qui veut dire nested if, then, else, en dans un if, then, else, et un let if, then, else. Bon, ça, je vous ai écrit un peu plus bien. On appelle ça nested if, then, else. En dans un if, then, else, et un let if, then, else. On va voir trois en détail, ça doit être carré, getly. Bon, ça, c'est en pointe, là, au moins, ouais, dans switch. On va être switch, l'aime. Switch, veut dire, dans nos bébés, tu vas voir ça, select case. Et si case dit telle valeur, tu fais telle action. Il y a un autre break. Si case dit telle valeur y, tu fais telle action. Il y a un autre break. Et ça, default là, c'est un avec ça, case else. Et case là, ouvert pour sa braquette là. Et case là, terminé pour sa braquette là. Et que ça case, option là, il y a un break. Il y a un break pour sortir depuis là-dedans. Et l'exemple, nous finis que ça l'exemple, hein. Si case se valait 0, D pour gagner valait Sunday, si D N, D pour gagner valait Monday, il y a les break. Et les break. Monsieur? Ouais. Ah, c'est que moi, comprends. Break, ça veut dire quand même qu'il peut séparer mon statement, là. Ouais, break veut dire sortir depuis là-dedans. Veut dire si l'infini trouvait case, allez, donne l'exemple. Si case se valait infini gagner D, veut dire D infini gagner valait Tuesday. Tu peux pas continuer à rôder les autres, tu faisais sortir. Mais dire dans JavaScript, si tu peux pas mettre ça break là, il peut t'asseoir, il peut check un par un, il peut aller. Mais il peut faire rien. Break là, veut dire pour sortir parce qu'il te finit mid the condition. Tu finis ton case, ça va aller D. Mais si D, D finit, il va aller Tuesday. Et te break veut dire, N, veut dire quit, quit sa case là. Sortir sa case là. N sa case là parce qu'il te finit mid the condition. Allez, pose question, hein. Bon, case, moi, je finis d'expliquer. If, then else, moi, je finis d'expliquer. Loop, moi, je finis d'expliquer. Donc, quoi, même ça fait mon pégété. On finit gété. Loop, moi, je finis d'expliquer. Ça, on finit gété. Bon. Là-dedans, elle nous a fait un petit peu intéressant, mon très élève. Elle nous a fait intéressant, mais capablement, on fait limite, là. Mais elle nous a fait intéressant. Là-dedans, elle a trouvé une commande qui s'appelle button. Tu as trouvé qu'elle a. Et, angle brackets button. Click. Bon, les enfants, vous expliquez ça, vous guettez si vous comprenez. Button, divine depuis là. Et let's écrire try, let's là la close button. Vous avez là? C'est suivre ça bien. Button, angle brackets, et angle brackets, la close là. Mais en dans ça, angle bracket là, il écrit on click. Et la close button. Close button. Et quand on écrit try it là, il vous paraît le sa bouton là. Mais si moi je fais ça, try it là, moi je vais click on me. Il n'est pas pour écrire try it le sa bouton là. Il faut écrire click on me. Mais si qui ont envie d'écrire le sa bouton là, ou écrire ici. Je veux dire, tu peux en prendre une commande, comment créer un bouton, le un form. Je veux dire, là tu peux en prendre une affaire nouveau, comment faire un bouton. Un button pour te cliquer le là. Correct? Et pour moi de créer un button, tu sais la commande button. Et button en dans l'île un attribute, un paramètre. Et close button. Mais c'est moi ce qui te peut écrire en button et close button. Try it. C'est pas n'importe qui ça fait te écrire là. Il vous paraît le bouton là. Et là, tu cliques le haut là. Qu'est-ce qu'il faire? Qui t'en a fait intéressant? Là, tu cliques le ça bouton là. Qu'est-ce qu'il peut déclencher un affaire? Ça n'a qu'à dire, moi, ça qui était ça. Qui peut arriver si il clique le bouton là? Très bien, motifi. Top, top. Ce que vous dites à vous, ce que vous dites, c'est top. Mais ça qui était ça? Qui peut arriver si vous payez ce bouton là? On clique. Mais qui peut arriver? Ça, qui était ça? Diamant que ça n'a rien. Qui était ça? Faut enfin diamant. Je vais arriver
Ouais, les parfois, cause, ouais, dans les bons là. Je t'aime bien dire, les parfois, ils nous qui coûtent. Oui, très très bien, ouais, dans. Je suis bien fait comme du domaine, dans. Allez. Les parfois, toi, dans sa sub-programme là. Sa sub-programme là, elle fonctionne, ça. Vite, ouvert, bracket, ferme, bracket, et puis, call, ça fonctionne là. Ça fonctionne là, comment appeler, si tu dis, dis-moi comment y appeler. My function. Allez, acheter ça fait my function là d'après toi. Il n'y a pas qu'à écrire ça code là dans HTML. Que tu peux écrire my function dans script. Get la script, close script. Get la script, close script. Et comment on commence ça mot function? On commence par ça reserve word function là. Et function là, c'est non comment appeler. Il appelle my function. Veut dire, let te clique le ça bouton là, modifie. Il peut déclencher sa function là. Mais c'est ma function là. Nous oublions d'écrire le script, parce qu'il y a une fonction, là. Nous voulons écrire le script. Je veux dire, comment tu cliques le bouton là? On clique, il vous déclenche sa fonction là. Mais comment écrire une fonction de script? Tu écris fonction, tu écris fonction là, ce nom, ouvert bracket, et tu ouvres de curly braces, et close de curly braces. Mais, asténo, étudier sa fonction là, un petit peu en détail. Tu trouves le script là, sa fonction là, tu peux suivre là? Allez, dans sa fonction là, tu peux créer combien de variables? Combien de variables une crée dans sa fonction là? Fonction, allez, première affaire, sa fonction là, c'est non comment appeler. Allez, sa fonction là, c'est non première affaire comment appeler. My function. Très bien, ça c'est non ça. Tu ne crées des variables parce qu'il te servit var, var. Allez, première variable là, comment appeler? Hour. Bien bon. Deuxième variable là, comment appeler? Greeting. Allez, hour, il est capable d'y avoir une date, capable d'y avoir une date. Et greeting, capable d'y avoir un texte. D'accord? Allez, ça, des variables là, qui trouvent en, dans sa fonction là, et un mot spécial servi pour lui. Comment on appelle ça? Global variable ou ça local variables? Oui. Ça, des variables qui trouvent en, dans sa fonction là. Ça, des variables là, nous avons habitué de donner un nom. Nous appelons ça global variable ou ça, on appelle ça local variables? Local. Local. Qui fait là? Parce qu'il est seulement dans ce sous-programme là qui est reconnu. Allez. Oui. Les hours, il y a une valeur. Hours, comment vous gagnez une valeur? Il peut servir sa date function là. Vous avez votre pile, si vous avez votre batterie, votre laptop, il vous prend sa valeur date là. Vous avez hours pour gagner une valeur qui est dans votre computer là. Si hours, il est moins que 18. Oui, là, hours, il est moins que 18. Combien il était? 14. Tu es d'accord, moi? Mais 14 moins que 18. Pourquoi ne vous en répondez là? Il est bon là, nous, avec Aspidem? Tu veux comprendre? Voilà. Allez, la plupart des élèves vont arriver là. Allez. J'ai une trentaine d'élèves, j'espère maintenant rejoindre. Allez, 20 arrivés là, on attend zut. Wyden arrivé, Fanfan est arrivé. Allez, Wyden récise 20. Allez, comment Waïda a besoin de diamant? Fanfan finit de besoin de diamant? Monsieur? Oui? Vous avez PHP? Ouais, PHP, vous pouvez expliquer. Et, c'est moi, je vous dis, vous ne pas croire, nous, vous réussir à le PHP. À cause de ça, moi, je vous dis, dans l'autre zinc. Ré-diamant, diamant faux, mon garçon? Allez, me dis à toi. Ramsaha, non? Ramsaha? Ouais, donne-moi bien. Let me explique à nos enfants JavaScript. Mais il y a tout bonne commande pour rendre le client là sur machine. Mais si demain tu veux travailler dans la banque, toi, tu prends un serveur dans la banque. Si un petit monde accède au website, la banque, tu
n'as pas pour envie tout ban code, run le client là sur ma machine. Tu n'as pas envie de cacher de pizza là te servir. Qui client là pas gagné accès. Mais dans la prochaine classe, si vraiment vous êtes intéressé, je vais faire une classe là PHP. Je vais montrer comment faire votre computer venir servir. Et comment faire PHP. PHP, tu as des enfants, il est bien intéressant de prendre PHP. Parce qu'il est beaucoup à cacher de ce ban code. Ce qui fait que maintenant tu travailles dans la banque, tu mets de sécurité pour que tu ne peux pas accéder au serveur. Mais il y a une petite chose qui est claire là pour gagner accès au browser, mais il y a une petite chose qui n'a pas envie de gagner accès. Mais PHP. La sécurité, c'est une nouvelle pour PHP. Exactement. PHP, c'est tout bonne petite chose qui t'a envie, tu ne peux pas gagner accès, mais toi, tu as envie de processer le serveur. Mais il y a les deux pour prendre PHP, premièrement, en fait, tu peux prendre fait un computer, venir un serveur. Et moi, pour faire ça, dans un software plus simple. Si tu l'es allé, tu poses ma question pour mon tout un petit peu. Mais c'est bien, bien intéressant, classe ça, mon garçon. Si vraiment tu as envie d'en prendre, moi, mon problème, c'est qu'il faut des enfants suivre ce qu'ils m'ont montré. Moi, quand moi, des enfants-là, beaucoup de choses, mais il faut des enfants-là suivre, ils posent ma question. Si ils posent ma question, ils ont envie de suivre, moi, quand moi. C'est je ne peux pas supposer, moi, autre chose, comment faire hacking, mais moi, quand prendre l'idée d'une façon éducatif. Je vais vous montrer comment rendre un serveur, comment programmer un serveur. Je ne vais pas vous donner ce mot hacking là, ça termine là. Montrez-le comment programmer une wifi, monsieur. Les enfants, beaucoup de choses capables de montrer toi. Bout par bout, non. Ouais, les temps. C'est moi, si cette chose t'intéresse, vous comment Ramsarain pose-moi une question. Vraiment, moi, je suis content de sa question là, Ramsarain pose-moi. Monsieur, mais PHP là, qui était ça? Mais les enfants là, ont envie d'en prendre. Si les enfants là, ont envie d'en prendre, je vais vous montrer. Dit. C'est moi, bout par bout, nous allons, mon gosse. On prend programming, c'est un peu bas, ça. Ok? T'allais, mon guide, toi, un petit peu, là. Allez, je continue avec mon note, sinon, pas ne pas pour finir, parce que ça tient pas à script, là, trop important. Parce qu'il y a question d'examen, vous pensez ça après ça, mon pays, dans beaucoup de minutes. Allez, Ramsara, suive ça, et Walda et Fanfan, suive. Qu'est-ce là? Let me click le ça bouton, là. Comment tu crées ça bouton, là? Qui commande de servir pour créer ça bouton, là? C'est la carrière, ma Walda. Button. Et close button. Button on click. Ouais, bien bon. Et ce qui t'a fait envie de paraître le bouton là? Button on click. Très bien. Et qui se fait envie de paraître le bouton là? C'est ici que tu peux écrire. Il faut paraître le bouton là. Correct? Et là, tu cliques le bouton là. Ça fonctionne qu'il est pour lancer là. Ça fonctionne là, tu peux créer dans JavaScript. Ça qui est important. Pour ça, tu peux expliquer JavaScript enfin. Et fonctionne là, il y a un nom. My function. Et là, ouais, il y a un diamant, il y a des variables qui nous créent. Et hours. Et hours, quand tu peux gagner valeur, depuis que tu piles 6 mois de ton laptop. Et là, hours dans mon laptop, il est 14 heures, mon corps. 14 heures. Je veux dire, 14, hours gagne valeur 14, 14 est moins que 18. Mais qui est-ce que tu peux écrire? Greeting, tu peux gagner valeur moins que 18. Je veux dire, non, ouais, good day. Je veux dire, tu peux sortir, tu peux faire ça else là. Tu peux écrire document, c'est même console de right line, tu peux écrire greeting sur valeur. Je veux dire, tu peux écrire good day. Il pas, tu peux écrire good evening, là. Tu peux écrire good day. Maintenant, les affaires qui ne vont pas trop expliquer, les enfants ne vont pas demander moi, les affaires. Les scales demandent moi, les enfants. Je sais expliquer là. Je ne pas connaître ces enfants-là pour comprendre ou bien non. Je vous sais, c'est bon. Ces enfants, dites là-haut, je vais faire paragraphe. Je vais trouver paragraphe et close paragraphe. P et close P. Je vais trouver moi, ça. Allez, allez. Ça paragraphe là que je crée, je dans mon HTML code là, pas dans JavaScript. Une tapase, close. Un micro me fait tapase. Un micro me fait tapase, s'il vous plaît. Allez, allez. Allez, ne continuez à expliquer. Waida, tu as dans le code HTML là. Tu as un paragraphe, close paragraphe. Mais il y a dans le paragraphe là, il y a une place que je vais appeler ID. Et ça, ID, là, moi, je donne un nom. N'importe qui nom de carte. Je vais m'appeler démo. Qui veut dire ça? Veut dire une place dans mon passe. Ok? Une place dans mon passe. Côté ce paragraphe-là, là. Moi, je donne une référence, comment dire. Moi, j'appelle ça démo. Sa place-là, moi, j'appelle démo. Veut dire, moi, je crée paragraphe et moi, je close paragraphe. Comment dire, dans le code de mon c'était. Sa place-là, dans mon forme, moi, j'appelle ça, moi, je donne un nom. Moi, je donne un ID, veut dire, moi, je donne un nom. Sa place là, mettons, mon donne un nom, et sa place là, mon appelé démo. Sa place là, mon appelé démo. Sa place là, comment dire, appelé démo. Maintenant, les mots service à commande dans mon JavaScript, je suis capable d'avoir un texte côté sa place là.
Donc, on va envoyer un texte dans sa place là, là. Qui commande moi envoyer un texte dans sa place? Place là, comment appeler? Il appelle démo. Parce qu'il m'a donné ID. ID. ID là, sur ID, il appelle démo. Il a sa place là dans mon page, il appelle démo. Maintenant, comment moi envoyer un texte là? Moi, c'est bien une commande. Il a lu le papier d'examen, vous pouvez trouver ça tout à l'heure. Moi, c'est bien sa commande document dot get element by ID. Ça, un réservoir, ça faisait qu'il y a Paris. Mais dans bracket, si moi j'appelle sa place là démo, moi bien écrit démo. Et dot inter-html. Inter-html veut dire dans sa place là, moi peux écrire un texte là. Veut dire greeting pour gagner valeur. Greeting, la ligne gagne valeur, good evening. Seulement si moi j'ai mon computer, il est 14 heures. Veut dire greeting, tu peux gagner valeur, good day. Veut dire sa greeting, sa valeur, good day là. Tu peux aller dans sa place que démo là était. Là, il peut écrire good day. Je reprends l'île. Je veux dire, si j'ai envie dans mon page, une place, une affaire paraît, je vais donner un ID. Je veux dire, je crée un paragraphe, je vais donner un ID, je vais donner un nom. Mettons, il appelle démo. Sa place s'appelle démo. Ça, tout ça là, quand il appelle démo. Je veux dire, démo peut gagner un valeur greeting. Greeting qui se valeur. Greeting se valeur good evening. Je veux dire, que sa place qui appelle démo là peut gagner un valeur good evening. Allez, je reprends l'île pour la dernière fois. ID. On donne sa place là un nom appelé démo. Sa place là appelé démo. Démo peut gagner valeur. Greeting. Greeting sur valeur, c'est good evening. Peut dire sa place là pour appeler good evening. Mais comment il me servir pour aller sa place là? C'est premier, me donner un ID name. Deuxième, me servir document.getIDByElementDemo.interHTML. Là, ça texte là pour aller dans sa place. Bon. D'aller nous reprendre, il nous fait papier d'examen, je vous trompe. Correct? Veut dire mon avoué. Veut dire mon besoin de donner sa place à un nom. Comment vous donnez sa place à un nom? ID. Vous donnez un nom. N'importe qui nom a envie de donner. Il a envie d'appeler démo, il appelle démo. C'est moi, démo, quand vous gagnez valeur, tu servis sa commande. Document.getID. GetElementById. Demo.interHTML. Elle est là, equal to. Ça texte là, point là. Allez, nous continuons l'autre. Allez, nous quittons. Nous continuons l'autre. Ça, c'est bonne commande là, de caraprend PC là-bas. Ah, une affaire bien pour autant, examinable pour l'examen, ouais, là, puis là, non, rien pour vous là-dedans. Je vais en prendre une nouvelle affaire très, très importante. Tu veux suivre moi, là, ouais, là, ou Fanfan? Monsieur. Allez. Ça, le clac, arrête, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, t'as l'air, vous pouvez faire un exemple, là, vous comprenez. Maintenant, une autre commande bien, bien importante pour en prendre, puis là, sortir de là, de papier d'examen, tu peux trouver, là. Tu connais, une affaire Fanfan. Let's go to website. Que ça fait mal d'être website, au browser, Internet Explorer, soit Firefox, soit Google Chrome. Ça plutôt mettre un élément là-dedans. Mais hier tu appelles ça une forme. On dit une forme. Ça passe à quand tu appelles une forme. Une forme mais une page. Mais qui commande te servir de HTML pour créer forme. Te servir forme et close forme. Forme veut dire comment dire une page vide. Une forme veut dire une page vide. Et normalement, form te met dans ta commande HTML. Et dans ta form, capable de mettre beaucoup d'affaires, capable de mettre un text box, capable de mettre un bouton, capable de mettre un radio buttons, tout cela nous va montrer comment mettre. Bon, un text box, un radio button, tout cela là, te mettre, te servir une commande appelée input. Input, c'est une commande qui te capable de créer text box. Si tu as envie de créer un text box, tu appelles input type text. Si tu as envie de créer un radio button, tu appelles ça input type radio. Si tu as envie de créer un bouton, tu appelles ça input type submit. Bon, là, il y a des élèves qui ont dit, monsieur, vous ne comprenez pas, non, rien qu'on explique. Veuillez les enfants, dans vos passes, première affaire, vous avez créé forme. Forme là, comment dire, un passe vide, ça. Mais dans forme là, en dedans, nous pouvons capables mettre trois petites choses qui nous capables mettre. Nous pouvons mettre un text box, nous capables mettre un radio buttons, et nous capables mettre un bouton. Bon, on a dit, monsieur, radio button, même on pas connecté ça. Ok? Bon, vous pouvez expliquer. Et qui commande te servir pour mettre text box, pour mettre radio button, avec, pour mettre bouton? Te servir commande input. Et si ce type, input type, si ce type, le text, veut dire, tu peux créer un text box. Si ce type, le radio, il vous crée un radio button. Si ce type, le submit, il vous crée un bouton pour submit. Maintenant, là, tu trouves, yes. Ça tient une parole qui nous fait là, il y a ce résultat, là. Allez.
Là, c'est un exemple, un solide exemple pour te comprendre. Media form, close form. Media ton fan form, un pass blank. Et dans ta form, tu as un input type text. Media sa text box là, ça. Et sa text box là, il y a ce nom. Il appelle first name, ce nom. Et en Bali, on a le text box. Et ça, le text box là, comment vous créez? Vous servez input type text. Et déjà là, on met ce nom last name. Là, il y a un élève qui me demande, monsieur, là où il écrit first name. Sa first name là, c'est ce label. Label veut dire qu'on a un texte qui accompagne devant. Voilà, sa first name. C'est sa label là. Ce que vous pouvez écrire là, il vous paraît là où le texte là. Qui fait mettre sa bio là, ouais, d'accord, sa bio là, qui fait? Licence la ligne. Ouais. Astère, si tu as envie de sa text box, ça paraît dans l'autre la ligne. Tu as envie de paraître prêt avec sa first name là, dans même la ligne. Mais te tiens sa bio là. Est-ce qu'il te comprend? Oui. Mais je vous connais, mais je vous mets l'espace. Redis-moi l'espace. Redis-moi. Oui. On dirait, on s'en dépend ça. Si nous ne pouvons pas faire bio, ça va être pour coller. Ouais, ouais. Allez, nous faisons une pratique. Nous copions ce code là. Nous allons nous faire un code qui s'est. Ok, nous faisons une pratique. Ok. Pour le comprendre. Est-ce que tu peux mettre l'espace là? Allez. Maintenant, nous faisons cette pratique là, nous guettons ça comment dérouler là. Correct? Bon, moi, je vais servir JavaScript du tout là. Hein? Allez. Allez, disons là. Mon copie sa code là. Là. Right. Allez là, double D. Mon crée une form. Mon close une form. Allez, right. Allez. Mon save. Il y avait switch ça, non? Save. Allez, moi, dans mon browser, mon comme tu déjà ouvert ça. Voilà. Dites là, ouais, là. T'es pas comme moi de dire, moi, là. Vous pouvez badiner au lien, tu dis, là. Vous pouvez tirer ça la ligne, là. Non, moi, tirer ça bio, là. Ok, ouais, là, moi, tirer ça bio, là, nous, dès qu'il arrive. Allez. D'après toi, qui peut arriver, là, ouais, là? Sa text box, là, avec sa label, là, il peut coller, il peut dans même la ligne. Allez, nous venons à nous refresh, qu'est-ce qui arrive? T'as trouvé qu'il est arrivé là, non? Vous avez te dire, moi? Asté, regarde là. Moi, tiens sa bière là, là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, tiens sa bière là. D'après toi, qui peut arriver là? Moi, c'est. Et moi, refresh. Allez, dis-moi. T'as remarqué? Est-ce qu'il peut remarquer qu'il n'y a rien? Allez, à ce que la moitié sa bio là, ici, là. T'as fait qui va arriver là. Observez, dis-moi. Qu'est-ce qui va arriver là? Tu as remarqué? Allez, si moi j'ai envie ça, last name là, à là en bas. Moi, viens ici. Moi, ouvrez ça, moi, mettre bio. C'est qu'un coup, dis-moi si je vais comprendre bien, mon con, non? Close. Non? Mais dis-moi? Maintenant, dis-moi, zoom, ni, vous voulez, si moi, quand zoom, on va connaître moi, zoom, là. Moi, avec un zoom. Allez, moi, refresh. Peut-être qu'il est arrivé, là. T'es con, moi, Lina? Allez, si moi, mettre en cours, ben, bien, moi, pensez de vous cliquer, ben, blank lines, là. On va mettre encore un coup de bio là dans le vidéo. On met 3 bio là dans le vidéo. Save. Et là, on refresh l'innové d'un coup de vidéo. Est-ce qu'il y a un bonbon qui est arrivé là? Il y a un bonbon qui est arrivé là? Allez, si moi j'ai envie de descendre ça là-haut là. On vient là. On va être bio là. C'est. Et là, mon refresh qui est arrivé là-bas. T'es trouvé là? T'es pour moi là, Waïda? Astia, moi vous demandez le affaire. Moi, on vit pas mettre first name là. Moi, on vit mettre please enter your first name. Qui m'a dit bienvenue? Il y a un texte là, ici, c'est comme ça, label là.
Right? Vous mettez vous typez, vous mettez please. Please enter your first name. Correct? Vous c'est Evely. Et là, qui m'a vint faire? Mon refresh. Vous voulez lire? Mais qui commande faire sa text box? Sa text box, qui commande faire? C'est sa input type là, ça. Sa input type là qui fait text box. Input type text. Waouh, input type text. Maintenant, si mon patient, moi, je mets un bouton en bas. C'est bien. On copie. On met un command button à ce terme. On pas mettre input type text. On met un autre nom. On pas faire limite text. On écrit submit button. S-U-B-M-I-T. Submit. Ouais, input type n'est pas text à ce terme. Il n'est pas text box. Et tu peux arriver. Et là, on vient là. On refresh. Tu deviens submit button une parade là? T'as oublié où est là? Oui. Allez, si moi pas envie de trouver là, moi envie de trouver en bas. Qui m'a fait, hein? On met un billard là? Ouais, on met un break line pour break line. On met qui là? On met des billards là. Et là, moi c'est lui là. Right? Et là, moi refresh là. T'as trouvé là? Là, moi submit. C'est moi, moi pas dire qui action pour faire. On vous a programmé lui. Là, vous submit, là, vous avez fait un clic. Un clic, là, vous avez dit à lui qu'il va le faire. Ouais, vous avez créé une fonction pour lui. Vous avez créé une fonction pour lui. Mais est-ce qu'il te comprend? Est-ce qu'il te comprend? Input type text là, veut dire, il fait text box. Input type submit, il peut faire ça. Parce que si moi, j'ai envie de faire radio button, moi, pas envie de faire text box, moi, envie de faire radio button, moi, écrire radio. Radio, comment écrire? Or, I, comme ça, radio. R-A-D-I. Ouais. Radio, or, I, D-I-O. Allez, nous mettons un coup, on avait pas oublié, moi aussi, le CVLI, le refreshly, nous mettons si tu fais radio button. Ouais, je devais mettre là un petit point. Tu vois? Ça, c'est ça, radio button. C'est moi, si j'ai envie de mettre un texte devant lui, ouais, là. Et là, disons, moi, écrire, allez, disons, t'en as, je donne l'idée, là. Disons, on met un texte devant lui, on écrire, mail, off email. Disons. Mail, disons, il y a un radio button. Ok, t'en as, je suis ça bien, là. Je dis, moi, si tu comprends, si tu ne comprends pas, déjà. Allez, c'est là, disons, on met fini. Ok, c'est moi qui mets un billard devant lui qui fait impossible. Mon bout sans aline là. Vous savez qu'il va le faire là? Oui. Allez, allez, moi c'est. Et mon refresh lui le côté. Et qui est arrivé là? Est-ce qu'il t'a trouvé qu'il est arrivé là? Il y a mon gars à choisir oui. Mille ou bien fumer. C'est intéressant? Et dans mon text box, mon gars a chipé. C'est comme moi? Tu veux comprendre, tu corrects, nous allons continuer. Allez, allez. Nous retournons dans le nécessaire. Bon. C'est-à-dire, tu comprends, sa label là, il paraît devant textbox là. Et sa textbox là, pour créer pour sa input type là, il crée sa textbox là. Et input type, il crée textbox. Donc, apprends l'autre question, moi, Alien. Ok? Voilà. Ça, est-ce qu'il te comprend? Si tu comprends, tu dis, si tu pas comprends, déjà. Voilà. Ça, m'en fait expliquer forme. Dans forme là, c'est moi, tu crées forme. Correct? Et dans forme là, tu vas créer radio button, trois radio button de créer. Puis chacun de nous va aller, etc., etc. Mail, email, et on va. Correct? C'est correct, mon bouger? Fanfan, correct? Fanfan? Allez, la terre. Allez, là, Fanfan, là. Allez, nous continuons. Celle-là, elle l'a déjà fait, avec sa checkbox. Tu trouves que moi, est différent? Oui. Correct, là, checkbox, correct. Bon, ça, vous pensez, vous finissez connaître input type, checkbox, et checkbox, ça, vous donnez, bah, nom, bah, valeur, etc. Bon. Là, ici, ce qui est intéressant là-dedans, il y a des textbox, et il y en a des labels. Ça, label là, là-haut, il y avait first name, et il y a un textbox. Le là, appelle last name, il y a un textbox. Et en bas, il y a un bouton qui appelle submit. Mais c'est moi, il va pas mettre un clic. Si tu dois mettre un clic,
moi, je mets un clic. Dans le JavaScript, tu écris sur function. Il faut encore écrire un clic, là. Est-ce qu'ils ont rien compris? Allez, dans la nouvelle guide, ça, submit button, il peut écrire un mouse clic, c'est pas mouse clic, là, il peut appeler sa fonction, il peut encore faire. Ça, m'a déjà fini expliquer, ça. Correct, form, input type, m'a fini expliquer. Ça, il peut expliquer même d'affaires. HTML, body, form, close form, input type, c'est la même d'affaires, il peut écouter. Ouais, puis là, on a rien nouveau. Là, on crée un bouton, ouais, ça, intéressant. Et ça, bout là, ouais, là. Input type button, on crée un bouton. Mais dans le bouton là, on donne un paramètre on click. Là, tu cliques le bouton là. Qui vous paraît? Un alert pour paraît. Hello world. Un hello world pour paraît. D'accord? Bon, si nous pas envie hello world pour te dire, appelle une function. Mais c'est ma function là, c'est besoin d'écrire là, Java. JavaScript. JavaScript. Ouais. Allez, ça nous guette ça. Intéressant là, hein. Bon. Il vient un petit peu intéressant. Tu as de faux. Mais ici, sa forme, là, soit action, il peut appeler un appel au PHP. C'est un tel, là, quand ça va, tu peux dire, qui peut faire PHP? Le PHP, là, il peut aller dans le serveur, il peut travailler. Mais là, on va pas expliquer ça, là. Bon, input type, text box, input type, là, tu as un email, tu as même email. Correct? Et tu as un bouton qui appelle submit, forme là, ouvert là, forme là, termine là. Dans forme là, tu as quatre affaires. Qui quatre affaires tu as dans forme là? Tu as trois text box avec un bouton. Voilà, ça te text box, type text, end text, d text, trois textes, tu as un email seulement, un email avec derrière là ces boutons. Voilà, ça, on finit pour les autres là. Maintenant, ça intéressant, bien intéressant. Ouais, là, là, il est intéressant. Input type button. Oui. Et button, on peut cliquer là, il peut appeler une function. Et bouton là, qui est là, là, try it. Voilà, get mon bouton, try it. On clique là. Il peut aller de sa fonction là, et fonction là rappelle bien, il écrit le JavaScript, il y a la script, close script, voilà, script, close script, et il a été clic le bouton là, voilà ton bouton là, il a été clic le holly, il peut déclencher sa fonction là, il vient dans la fonction là. Et sa fonction là, qu'il peut faire, il prend sa mot qui appelle paragraph change, puis il peut aller de sa démo là, mais démo là, il vient fini créer ça, regarde là, paragraph ID démo. C'est-à-dire que quand tu écris cette démo-là, là-bas, il peut écrire un paragraphe alt chain. Et sûrement, ici, il crée une place, il appelle ça démo, et tu cliques là, il peut écrire un paragraphe alt chain. Je vais dire, résumé, c'est un bouton, ça bouton-là. Le bouton-là, il écrit try it. Voilà, il écrit try it, il est là-haut. Tu vois? Et là, tu cliques le bouton-là. Et tu uncliques le bouton-là. Il peut appeler function. Et function là, il trouve dans le script. Et function là, ce nom c'est my function. Et il rentre dans my function, il peut prendre un texte, il peut display une place. Sa place que tu peux display là, il appelle démo. Et bien sûrement là, il appelle démo, et il peut display paragraphe à chain. Et il me disait, finit créer démo. Comment il crée démo? Il vous crée ID. Il met ça dans paragraphe, démo ID, et il finit créer ça là-bas. Bon, on regarde l'autre question. Bon, maintenant, ne vous retournez avec papier d'examen, c'est-à-dire. Depuis là, beaucoup de minutes, quand même 10, 15 minutes, ne vous faites pas papier d'examen. Si vous êtes capable de noter qui m'en a aidé, mon point N de la même projet. Allez. Tiens, photo. Ok. Allez, je prends photo. Allez, ne vous prends N de l'année de vous causer. Ne vous pas cause tout l'année, quand pas me voir voyant encore ma note. Maintenant, il y a un layer maintenant pour checker qui a fait ce nom prendre. Qui a fait ce nom prendre. On va le guetter un coup. Comment est-ce que là? Allez, juin 2018, papier, vous faites première question, juin 2018, papier ND, question 6. Correct? Ok, juin 2018, papier ND, question 6. Allez. Guette sa code là, Waïda. Il y a un code dans l'examen. Si tu pas tu comprends JavaScript, la tête tu peux tourner en bas là-haut, toi tu es capable de comprendre rien le code. De ce code-là, il y a HTML, mais seulement il embed JavaScript code. Regarde là, HTML, première ligne, line 0, HTML. La ligne numéro 10, body. Et, correct. Et script, quand tu peux commencer, la ligne numéro 8 peut commencer script. Tu es d'accord, moi? Oui. Et script, quand tu peux terminer, la ligne 27.
Déjà, JavaScript peut commencer la ligne 8 et il peut terminer la ligne 27. Est-ce qu'il est bon ou c'est mauvais? Right. Maintenant, observez. HTML body. Pela veut dire paragraphe. Veut dire un title pour parler. Intérieur mark. Allez, Waïda, si tu pas en prendre ça, toi tu connais qui est ça. Maintenant, on prend ça. Input. Input. ID. Mark. Value 0. Ça, qui était ça? Initialize mark. Pourquoi l'ingrain n'est pas s'appelle mark? Parce que ID. Et que la mark se value de 0. Fait l'initialize. Ça va pas de bon. Allez, right. Nous qui t'inquiète, il y a une autre affaire appelée button là, button. Et button à close. Il y a besoin d'un bouton là. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et le bouton là, qui veut écrire? Enter. Parce qu'il y a un bouton et il écrit Enter le bouton là. Est-ce que tu es d'accord ça? Oui. Et tu cliques le bouton là. Qui peut arriver? Tu pèses le bouton là, bouton. Il y a un Enter, tu cliques le là. Qui peut arriver là? Il peut calculer ce crâne. Il peut. On clique, on clique, il peut déclencher une fonction. Et sa fonction là, code normalement, je m'écris fonction. C'est pas pour qu'elle écrit dans HTML. Le script. Fonction. Et là, il peut rendre la fonction là, son. Fait dire une affaire là, ouais, là. Ça, input, input type. Il paraît comme dire une input box, ça. Il paraît comme une input box. Tu m'en as pour écrire, point, tu m'en as ce point. Et là, nous cliquons le bouton là, là nous cliquons le bouton là, Enter, il peut prendre sa point là, sa fonction là pour appeler ça. Bon, nous get fonction là, un peu en détail. La fonction là, est-ce qu'il crée une variable, la ligne 10, qu'il en fait? En la fonction là, le bégé. Ouais, dans fonction là, allez, fonction là, comment appeler, moi je fais? Très bien. La ligne 9, il appelle fonction à calculer. Maintenant, là, nous rendons la fonction. Regarde là, sa bracket là veut dire rendre la fonction. En dans, je vais rendre la fonction. Fonction là pour terminer la ligne 26. Là, vous voyez? La ligne 26 fonction là peut fermer. La ligne ouverte, la ligne fermée. Tout ça la trouve en dans fonction. Là. Mais dans fonction là, la ligne 10, il peut créer combien de variables il crée, modifié? 2. Qui variable il crée? Local avec grade. Très bien, monsieur. Ça, des variables là, comment on appelle ça? Local variables ou on appelle ça global variables? Local. Très bien. Allez, allez. Maintenant, si toi ou bien enfant capable de dire moi, ça la ligne 11 là, dans VB, ouais, ça la ligne 11 là, il représente qui ça fait dans VB? Un peu pareil, comment qui ça fait? Très très bien, excellent, excellent. Ah ouais. Excellent, veut dire moi avec cause tout seul. Mais je pensais moi avec cause tout seul. Fanfan, il dit exactement ce qu'il vient de dire. C'est la marque equal to. Sa longue histoire document dot get by ID mark get value. Il paraît comment te console read line. Veut dire marque peut être une valeur là. Top ça, Fanfan. Tu réponds moi ça, mon lequel micro. Mon extract sera content. Veut dire moi avec cause tout seul. C'est-à-dire la ligne 11, Mark peut gagner une valeur. Mais dans VB, tu appelles ça console dans le jeu. Mais c'est moi ici, je vais l'étudier un peu plus bien. Document.get value Mark tes affaires. Je vais dire ce qui te peut typer dans sa text box là où là. Tu rappelles la ligne 5, il peut appeler ID Mark. Ce qui te peut typer dans sa text box là, ça même qui pourra rentrer dans un variable qui appelle Mark là. C'est bon, Mani? Maintenant, Astéa, si Marc est plus grand que 90, grade pour gagner valeur A. Sinon, si Marc plus grand que 80, grade pour gagner valeur B. Si Marc plus grand que 70, ça, j'affaire là, ce qu'il peut l'étudier. Waïda pour dire moi. Dans programming, comment vous appelez ça, Waïda? Écoute, mon mouse peut tourner. Qui affaire dans programming, il peut montrer là? Selection. Oui. Encore plus précision. Qui a des selection là? Très bien. Encore plus précision. Qui qualité ifs and else peut montrer ici? Nested. Top, 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 top.
suis bien content de faire classe à vous. J'ai un plaisir à vous faire classe à vous. Ok? C'est pareil. Un plaisir. Ouais, ouais. Le plaisir est partagé. Ouais, ouais. Non, mais top. Top, top, top. Bon, ne continuez pas à persévérer, votre fille, tout dans bon track là. Veux dire, ne peut servir Nestor Lives Analysis. Ils ont fait la VB ça. Qu'est-ce que ça dernier l'exemple là? Ça, ça peut terminer, il termine là. L'air là, fonctionne pas terminé là, il fonctionne à commencer la ligne 9. Il fonctionne à terminer dans la ligne 26. Mais ça, Yves Anel, ça peut commencer la ligne 12. Yves Anel, ça peut terminer la ligne 24. L'air à Yves Anel, ça finit. L'air fait ça, Yves Anel, ça. Veut dire, grading gain valeur. Grade, soit les A, soit les B, soit les C, soit les D, soit les E, soit les U. Mais il y a grade pour gagner une valeur. Mais il finit gagner une valeur. Qui est arrivé, Fonfon? La ligne 25. Un alert pour Paris. Un alert qui paraît comme un window, un pop-up window pour Paris. Et alert là qui pour Paris, il y a un output ça. Il paraît comme un console de right line, un output pour Paris. Qui dit quoi écrire? Your grade is. Valeur grade là. Il voit que la grade, il c'est pas A, c'est pas B, c'est pas C, c'est pas D, c'est pas E, c'est pas U. Est-ce qu'il devient grand-point? Oui. Devient grand-point? Dépendant, qui valeur nous pour input dans la text box, input ID marque là. D'après sa valeur qui nous pour input là, marque pour gagner sa valeur là. Et marque d'après sa it's analysis là, il vous donne grade sa valeur là. Et grade pour output là. Et une script pour terminer. Bon, résumé, on pourra faire sur pratique, si vous êtes capable de suivre moi, et nous guettons un coup de comment il était. Bon, nous guettons un coup de si nous sommes sur pratique, tiens bon, mon Dieu béni, nous sommes sur pratique. Nous rendons document. On va commencer là. YouTube, nous guettons sur pratique. Et sample code, non, ouais, il a même encore, non. YouTube. Je sais. Bon, fini, oublié, t'as, il faisait l'aime, non, il aime. Sample code, bien, bon. Right. Ah, c'était qui l'année, nous, Végédé, ouais, d'un? 2015. Ouais, ça, ça me montre. Non, 2018, ça. Papier ND, question 6. Allez. Je sais. Non, mon nouvel, là, mon gars, là. Sample code, mon fini, écrit, là. Notre part. T'es d'accord, moi, ouais, là? On est fini avec la code, là, pour zut. Deuxième affaire qui m'a ouvert. M'a ouvert même file, dans qui m'a ouvert sa file M, dans un browser. M'a trouvé ce résultat. M'a right-click, m'a ouvert dans un browser. Voilà. Un browser, là, ouvert. Astier, tu vous comprends ça, là, ouais, là? Tu pas comprendre déjà, moi, là, hein, beaucoup de temps. Est-ce qu'il, ouais, là, moi, j'ai fait un orient, il est aussi la bosse. Tu devais, moi, prendre papier d'examen, on va expliquer. Correct? Allez, nous quittons un coup, toi, là. HTML, close HTML, bien content, body, close body, bien content. Paragraphe, enter your mark. Allez, là, ça, il me paraît, là, enter your mark. Est-ce qu'il te comprend, toi? Correct. Si vous ne pouvez pas mettre paragraphe là, il est là, il contient dans même la ligne, sa texte box, ça va être écrit en bas. Vous pensez que vous avez tiré ce paragraphe là. T'as moi c'est tiré, m'a dit. C'est là, mon papa a dit là, l'autre la ligne. Le tiré, m'a dit qu'il est différent. Vous ne pas mettre paragraphe. Je veux dire, moi, avoir dit, parce qu'en bas, il y a une texte box, ça, input ID, telle histoire. Allez, moi, c'est vous. Moi, c'est Yves, on refresh. T'as trouvé qu'il est arrivé là? Il n'y a pas de sang en paragraphe, il n'y a pas de sang en la ligne. Enter your mark. Tu vois? Et là, il dit, sa textbox, là, tu vis en bas. Et si ça après ça, c'est la ligne là qui diffère. C'est même la ligne qui diffère de textbox. Et guette bien, moi, je mets value 0 au commencement. Tu vois? À cause de ça, 0, il me paraît en dedans. Si moi, pas, tu mets 0, allez, moi, mettre un autre affaire en dedans. Dans le bâtiment, tu viens à la nagué, si ça peut comprendre. Allez, moi, mettre 4, 0. Moi, c'est Yves. D'après toi, qui va arriver, ça. So, initial value, de text box, ça. Il met 4-0. Est-ce qu'il t'en trouve, ça? C'est correct, là? On va continuer? Oui.
Allez. Là, je close li, je vais mettre NCL 0, ou je vais mettre initialize. Moi, si je ne vais pas mettre 0 là-dedans, ouais, là. Je ne vais pas mettre non, je vais mettre blank. Est-ce qu'il te gagne bon, voilà. Qui peut arriver? Du coup, blank ici, il est là. Il doit entrer, il est là. Vous comprenez? Maintenant, allez, nous reprendons, ça intérieur marque là. Ça peut paraître ici, plus enfin comprendre. Ça input ID là. Ça même ça, textbox là, ça. Maintenant, ça n'a button. Vous devez button et close button. Et qui n'écrit là? Enter. Et ça même ça, bouton qui peut paraître ici là. Si je dis, je ne vais pas écrire enter ici. Je vais écrire calculate grid. Je vais écrire calculate grid. G-R-E-D-E. Allez, right. Me save. Allez, d'après les autres, qui peut arriver? Me save. Non, 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 moi, si je vais faire ça, qui me l'a fait là? Cancel. Allez, je vais refaire save. Allez, ouais, là. Dis-moi qui peut arriver. Ça, enter, là, pas paraître enter. Qui vous paraît ici? Qui vous parle? Qui vous parle? Très bien, mon refresh. Vous devez écrire calculer le trait. Maintenant, les mots cliquent là. Vous cliquez sur ce bouton là. Il vous déclenche quoi? On click. On click. Il vous déclenche quoi? Il vous call qui était. Qui vous call? On click. Il vous déclenche qui ça fait. Il vous appelle qui ça fait. Qui ça n'est pas appelé. Voilà, il peut appeler une fonction. Fonction là, comment appeler? Calculate. Très bien. Et calculate grid, il est là. Et comment tu écris function? Tu écris function. Et comment tu ouvres son bracket, il est là. Et comment tu closes son bracket, il est là. Et ta fonction là, commencé là. Et il est terminé là. Et fonction là, ce nom. Je veux dire, comment vous cliquez l'eau là, il peut appeler sa fonction. Il peut rentrer là-dedans, il peut faire tout ce qui est là-dedans. Right. Maintenant, qui a le fait? Il crée des variables. Il ne trouve rien. Mais Marc peut gagner une valeur. Marc, depuis quand il peut gagner une valeur? Depuis sa textbox qui appelle Marc là. Il est là. Sa textbox, ça, sur ID, il Marc. Mais dire, si qui m'a pour chipper là, mettons mon chip 60 là. Sa 60 là, il poil coûte ça Marc là, sa variable. Parce qu'il sa commande là qui risque ça. Il risque ce valeur qui est dans la textbox là. Il donne sa marque. Il veut dire marque pour gagner valeur 60. Est-ce qu'il m'a encore expliqué? Astéa, dépendant 60 d'après l'autre, d'après moi, grade pour gagner valeur D, ABCD. Directement, vous cliquez le haut là. Grade pour gagner valeur D et un alert pour parler, il vous dire your grade is D. Vous voyez un truc. Voilà, tu dois. Get someone alert in parler. Il dit, your grade is D. Qui fait un D? Parce qu'il 60, il pouvait là. Grade pour gagner valeur D. Et. Vous vous connectez là à nous? Vous vous déconnectez là à nous? À nous là-bas? Oui. Tu peux suivre ça? Qui côté ça? Ah, côté. Allez, right. Bon, là, on va continuer à expliquer. Bon, c'est-à-dire, je vais reprendre programmer. Sa programmer qui, sa programming qui se peut reprendre. Là, c'est professionnel, hein. Il y a un professionnel level. Tu mets qu'à travailler pour compagnie, tu sois là avec ça. Tu as créé un website. Correct? Le professionnel level n'est que là. Il faut des autres cas à suivre. Vous connaissez une seule session, il y avait difficile. Mais, comment ça va prendre un chicken pour chicken quand vous pouvez faire une classe là-dedans? Allez, vous continuez à expliquer. Ok, pour vous aider qui peut suivre. Vous continuez à expliquer. Voilà. Voilà, on continue à expliquer. Ok, voilà. Là, Marc gagne son valeur. Et Marc
l'in rendre dans ton nested if then else, l'in donne grade sur valeur et le line output qui pas un alert. Voilà, alert c'est un output. Correct? Voilà. Et là, si mon sens grade, si mon sens marque sur valeur, mettons que tu mets marque sur valeur 30 points. Il va falloir gagner 30 points. Qui peut arriver? Tu peux mettre grade is equal to you. Tu veux ungraded. Et mettons que tu mets des enfants là sur valeur là-haut 90. Mettons que tu mets là-haut 90, tu mets 99 points. Les enfants là pour gagner A. Voilà, grade is equal to A. Voilà, on expliqué, on testé le programme là. Et le programme là, marché. Je ne vais pas regarder, moi, il n'est pas marché, il marché, il fait bien. Bon, avant de continuer, je vous pose une des questions. Là, là, je vais vous papier d'examen là. Je vous répondre au papier d'examen là. Allez, pose ma question. Et là, on continue. Allez, pose-moi une des questions. Parce qu'il m'a oublié le papier d'examen là, vous répondez le papier d'examen là. Voici, là, on arrive à un niveau papier d'examen là. On finit explique base, programmation, JavaScript. Il y en a beaucoup qui sont pour expliquer d'autres. On essaie pas faire trop compliqué. On explique d'autres, ben, qui sont qui est important pour vous connaître. C'est moi, il y en a beaucoup qui sont qui expliquer. Et ne pas qu'à trois, en dehors, c'est la bosse. On prend, c'est la bosse. On causer qui ce qui est important. On prend un papier d'examen. On fait ça pratique. Maintenant, on peut répondre à la question d'examen. Si peine à la question d'examen. Bon, moi, d'accord, si moi aussi, dans cette place, commencement, tout ça, information qui rentre dans ce cerveau-là, pas tout nous caractère. Ok? Mais, moi, vous savez, save sa vidéo-là. Et, moi, capable, vous pouvez dans YouTube, de regarder sa vidéo-là plusieurs fois. Peut-être, de progresser, comprendre un peu quelque chose. Mais, un seul coup, moi, d'accord, tout part rentre dans la tête. Tu vas me rappeler tout le commande, c'est le coup. Correct? Mais c'est moi, j'ai fini une base de programmation JavaScript. Et prochaine classe, PHP, il y a un peu tough. Mais c'est moi, mon cas faire d'ici les enfants en prendre. Mais une fois qu'ils ont appris JavaScript, PHP, tu vas programmer comme un professionnel, tu vas commencer à travailler avec une compagnie. Tu vas commencer à travailler part-time, tu développes website. Ok? Ça va le coup là, normalement, tu vas le payer pour en prendre. En dehors, devant l'institution, tu payes bien, bien cher pour en prendre, ça va le coup là. Et la prochaine classe de PHP, je vais vous montrer comment faire servir. Je vais vous servir un programme simple. Et là-bas, nous faire servir, nous allons prendre là-bas. Maintenant, je vais continuer à expliquer le papier d'examen. Question pour moi, allez, Fanfan. Non. Ramsara. Comment appeler Waïda. Non, pas une question aussi. Allez, mais c'est moi, je vais vous répondre moi, question d'examen là. C'est intéressant. Voici pas mal, mais trouvez c'est une même base. Ok. Allez, nous vous prenons question d'examen maintenant. Ça me minimise. Ça me pratique, me minimise. Et me retourne avec mon papier d'examen. Comme ça, vous commencerez pour moi. Bon, me reprends l'année là pour les enfants si on a trop vite. Ça, c'est tout mon papier d'examen qui était supposé faire. Ça, c'est insérer papier d'examen. Je vais faire un screenshot si je te veux. Et première question d'examen, on prend c'est juin 2018, papier ND, question 6. Correct? Allez, nous guettons qui de nous dans l'examen. On finit de skip code là. Mon corps, c'est code là. C'est simple. HTML, body. Ça, c'est un title qui peut paraître. Ça, c'est un input box. Ça, c'est un command button. Et ça, c'est script, close script, function. Tu peux rendre la function là. Tu as un local variables. Et mark peut un valet. Tu as un nested if then else. Tu as un output, c'est alert. Script là terminé. HTML là terminé. Bon, là, c'est, moi, je fais un screenshot. Ok, screenshot des programmes. Là, moi, je finirai un programme là avant. Et moi, je fais un screenshot, moi, tu as vos résultats. Ok? Maintenant, question à l'examen. Allez. Soit Ramsara, Fanfan et Waïda, vous commencez à répondre. Je vous ai dit, vous pouvez. Ok, nous prenons les à l'aise. Et moi, si elle vous répond. Allez, nous prenons question là. Nous prenons question là. Malheureusement, moi, comment finalement, votre réponse, nous. Tu veux cacher. Allez, give the identifier of two variables used in JavaScript code. Bon, identifier of two variables. C'est peut-être comme ça, directement dévoyable ce nom qui te servit dans sa JavaScript code là. Bon, ça, Waïda, t'es là, tu finis répondre. Ouais. Waïda, tu finis répondre. Moi, t'es là, je vais montrer le code là. Ah, il a le code là. Bon, donc là, nous prenons évidemment papier d'examen. Allez, JavaScript code, il commence la ligne 8 et il termine la ligne 27. Correct? Et des variables qui peuvent servir ici, var, code de Java, variable appelée marque,
avec appel grid. Et les enfants finissent répondre d'elle. Mark avec grid, c'est des variables qui lui peut servir. Mark lui integer, avec grid lui string. Maintenant, on retourne dans nos papiers d'examen. Vous pensez, Waïda, elle n'est pas difficile pour toi, tu as déjà fini répondre. Tu as identifié, réponse c'est mark avec grid. Est-ce qu'ils sont corrects à sa question ou c'est un problème? Allez, correct. Nous continuons à l'autre question. B. Give the line number where the JavaScript code produces an output. Les enfants. Ouais, nous avons là-haut, mais les élèves finissent de répondre. Mais nous allons get-li. Code JavaScript peut produire un output. Et nous get dans nos codes là. JavaScript code lit depuis la ligne 8 à la ligne 27. Code lit peut produire un output là-dedans. Très très bien, Waïda, la ligne 25, il y en a alert. Et si tu get mon sample, ouais, si tu get mon sample code, tu trouves ça window là, tu trouves ça la Waïda, quand mon mouse était ça window là, ça même alert box, ça, un alert préparé. Tu trouves? Et alert box là, c'est un output. Tu veux dire ça alert là, tu trouves là, ça alert là, c'est un output. C'est la ligne 25, réponse, tu veux bien dire, la ligne 25. Ouais, Waïda, il n'est pas difficile du tout. Si tu comprends JavaScript. Allez. Une autre question, vous pensez de vous capable de répondre. Describe the purpose of the statement on line 11. Nous allons get la ligne 11. Et tu veux bien dire moi qui se propose. Des points, ça, Waïda. Ok, la ligne 11. Nous allons dans le code. Nous get la ligne 11 qui peut faire, Waïda. La ligne 11, ça code là qui peut faire. Très très bien, mais c'est moi l'idée point Waïda. L'idée point, mais c'est moi tu as besoin de servir mot technique là. Je ne connais qui peut faire, c'est finalement l'idée qui peut arriver, mais c'est moi je ne sais pas pourquoi servir mot technique. Comment dire en anglais, comment pour écrire ça pour gagner des points. Ça, ouais, je peux gagner un point, mais deux points, moi, je trouve que je peux gagner difficulté pour gagner deux points. Pas prendre trop facile, mais j'ai besoin d'en prendre mot technique, comment répondre à sa question, là, dans la ligne 11. Ouais, ça qui te suffit de servir ce mot-là. Correct? Allez, nous allons regarder un peu comment il répond. L'indi, regarde bien là. Mark, il gagne valeur depuis dans le text box, là, parce qu'il y a un text box qui s'appelle ce fil, qui s'appelle Mark. L'indi, Mark, il prend valeur depuis dans le text box, ça, il gagne valeur, là. Et Mark listo, ça va valer là. Ça va aller là, listo, lit dans sa variable qui appelle Mark là. Déjà pour te gagner deux points, il n'y a pas de mot technique, tu as besoin de causer. Il n'y a pas juste gain valer depuis la text box, mais aussi il sait valer là dans sa variable qui appelle Mark là. C'est vraiment pour te gagner deux points. Majorité des élèves dans l'examen, je te connais une réponse. Mais mon pensée, je majorité des élèves, tu peux gagner un seul point. Même si je te connais une réponse, ça, je ne sais pas, tu connais rien. Tu as dès la ligne pour écrire pour gagner des points. Donc, on va continuer. N, c'est le code qui gagne valeur là. Deuxième, il se trouve sa valeur là dans sa variable qui appelle mort. C'est bon, là, Waïda? Oui. C'est moi, pas prendre trop simple parce que, mon pensée, là, tu peux perdre un point. Majorité des élèves, tu peux perdre un point là-dedans. Tu peux écrire pour 10 pour un point. Et question là, il y a bien les deux points, Waïda. Correct? Et bêtement, tu peux perdre un point. Il y a une possibilité que tu peux perdre. Et je vais prendre beaucoup attention. Maintenant, l'autre question là. State whether this JavaScript code will run on client side or server side. Bon, ça ne m'a pas trop expliqué. Il y a une autre note qui va me corriger tout à l'heure. Tu connais l'être run JavaScript. Tout ça, c'est un code qui te écrit JavaScript là. Il run le client là sur ma machine, le browser, le client là. Il y a des moments user. Vous avez accès à par ça. Par là, les mots pour right-click, mon view source, tout ça va un code JavaScript là, user là pour trouver. Veut dire, JavaScript, ce code, il run le client side. Il pas run le server du tout. Veut dire, client là, user là, il right-click, il view source, il gagne accès à tout le code JavaScript. Et là, tu peux en prendre par PHP. PHP, user là, il pour guetter, il pas pour trouver aucun PHP code. Parce que tout le PHP code, il pour run le server. Si vous avez pour right-click le browser, il peut view code, il n'est pas pour trouver ce code PHP là. Mais dire JavaScript, ce code, il run le client side. Et PHP, ce code, il run le server side. Ok?
Voilà, réponse C, client-side. Maintenant, explain the difference between client-side scripting et server-side scripting. Bon, on va pas encore expliquer tout server-side scripting. Bon, quoi, j'ai plus la difficulté pour répondre à cette question-là, mais vous skippez plus là. Voilà, client-side. Ouais. PHP n'est pas en JavaScript. Rédiamant faux. Programme et client programme en PHP n'est pas en JavaScript. Oui. Oui, mais seulement, je ne pas encore expliquer comment servir PHP. Côté écrit PHP. PHP, ce code pas écrit dans. Ici, ça. On écrit le serveur. Mon besoin, première classe, mon besoin, mon comment créer un serveur. OK? Et mon besoin, mon total, là, comment mettre dans le code PHP là-bas. Et comment renouer, comment accéder. Pareil que moi, je vous dis, mon mot total, comment rentrer dans Notepad, comment te créer dans le code, et comment te trouver dans ton browser. Je vais montrer toi en pratique comment faire ça et tu vas comprendre comment rendre JavaScript en partie. Je vais montrer toi une technique appelée embedded. Je vais pas expliquer toi external file. Le embedded, tu comprends. Des PHP, je vais expliquer toi une classe. Je vais vous expliquer comment servir. Si tu es intéressé, te propose moi pour une classe, je vais expliquer toi PHP comment rentrer. Ok? Voilà. Maintenant, nous presque arrivons à la fin de cette classe là. Je vais dire. Si nous avons une autre question d'examen, describe what is meant by client-server application. Un client-server application, moi j'ai trouvé pour un main computer, et nous ne pouvons pas qui est le serveur, nous pouvons être web server. Web server veut dire nous host, nous passe le serveur, et client accède à ce serveur-là à travers son browser. Et ce browser request un pass depuis le serveur-là, et ce browser il translate ce pass qu'il a depuis le serveur-là, il translate, il interprète li et te trouve résultat. Maintenant, ça c'est une jolie question d'examen en cours. Quand il dit, t'as une sequence of steps, comment te JavaScript marche, comment te un user, ce computer, ce browser, il accède à un serveur, et comment il reçoit un pass depuis le serveur, et comment il translate li, qui va l'étape arriver. Bon. Et nous vous réguettez sa question là si je te le dis comme ça. Nous guettez l'étape là. Toi, tu es un user. Tu as ton browser, que ton URL là-haut, tu écris, dis-moi là sur website. Je vais écrire radarcomputer.com. Et là, qui est arrivé, ton browser, il fait une request. Il a contacté DNS. DNS veut dire domain name server. Veut dire, il dit DNS translate sa domain name là. Sa URL là a un IP. DNS, il converti sa domain name là, mettons radarcomputer.com, il converti li à faire devenir un IP. Il paraît comme on dit à mon petit homme, sa téléphone Rita. Mais dans ton téléphone, tu téléphone pas pour téléphone Rita directement. Ton téléphone parle de ton adresse book, de contacts, et il est là pour route Rita ce numéro de téléphone, il est là pour dial Rita ce numéro de téléphone. Mais là, toi, tu as ouvert ton browser, Internet Explorer, soit Firefox. Là, tu tapes radarcomputers.com. Mais ton browser pas capable d'ouvrir radarcomputers.com. Ton browser, il a envoyé sa request là, DNS server. DNS server, c'est un serveur qui est sur Internet. Moi, je dis, il y en a tout du monde sur IP adresse. Il y a le route radarcomputers.com. Il y a une IP adresse. Et il est là. S'il n'est pas gagné, il demande le DNS server. S'il n'est pas gagné, il demande le DNS server jusqu'à ce qu'il gagne sa IP adresse. Là. Et une fois qu'il gagne sa IP adresse, là, il est là, te connecter avec sa serveur. Là. Il est là, sa passe là, il sort aussi de la serveur, là, il vient de ton computer. Il est là, ton browser, il interprète sa passe HTML. Là. Il est là, tu trouves son résultat, tu trouves son display. C'est ça qui est arrivé. Il est run. Et nous dans nos URL de nos browsers, nous tapons radarcomputer.com sur un site. Veut dire, nous tapons un site, nous dire radarcomputer.com, ça requeste à nos browsers, envoie ça requeste à la DNS server. DNS server, c'est comme un téléphone directory, il route ça du monde là sur IP adresse, et il fait à ton computer, ton browser, connecté avec sa serveur là, et il fait une copie de sa page qui est dans le serveur là, vint de ton computer, le client computer, et le client computer sur le browser, il interprète sa page qui est écrite dans HTML là, et tout trouve aussi là. Maintenant, dites ça code là. Ça est intéressant. Bon, là-dedans, nous trouvons la D-textbox. Correct? La D-textbox. Un textbox là, le textbox là. Et il y a un submit button. Le 12 ans. Il y a un D-textbox avec un submit button. Et il y a un alert box qui me paraît là.
Maintenant, on a le git. Ça, URL, ça. URL veut dire que nous tapons une web adresse. Nous quittons ça code là. Correct. HTML, head, title, script. Correct. Nous avons servi JavaScript. Là, il y a une fonction. Fonction appelée my button on mouse down. Il y a deux variables qui sont créées là. Output 1 et output 2. Output 1, il y a un texte. Output 2, il y a le texte. Output 1, il y a une écran runner ID au key. Output 2, il y a une écran error. Vous dire, si vous avez un VB, vous avez une fonction, vous avez un nom, et là, d'abord, vous avez un var, vous avez un dim, vous avez un output 1 as string, et vous avez donné ce initial value, runner ID au key. Et là, vous avez un dim, output 2 as string, et là, vous avez un output 2 égale error, telles histoires. Et il y a une troisième variable écrite. La troisième variable là, il y avait runner ID. Et lui aussi, il y a une string. Mais runner ID peut gagner une valeur. Comment est-ce que l'enfant il dit? Il dit ça, document.form, telles histoires là, il paraît que ma dire console readline d'une certaine façon. Il dit, il y a une form, il risque valeur là, depuis d'un text box, et il peut donner runner ID. Il dit, runner ID pour gagner ce valeur, depuis d'une form. Form là, comment appeler? Form 1. Et dans form là, il y a un text box. Ce text box là, comment appeler? TXT runner ID. Ça va aller à qui te met dans le text box là, et dans sa forme là, il vous prend runner ID pour gagner ce valeur. Et, je vais dire le point. Et, si runner ID, il commence par un mot qui appelle var, ou bien, qu'est-ce qui veut dire? Si runner ID, il commence par un mot qui appelle cam, là, to alert pour paraître runner ID is ok. Mais si ton runner ID pas commence par var, il pas commence par cam, else output là, il pour output 2. Output 2 veut dire error. Bon, mais nous get ça bien. Il y a un script. Dans le script là, nous avons une function. Et dans la function là, nous avons un subprogramme, nous avons un variables, et nous avons ifs and else. On pense que nous dépassons nos classes pour paper 1. Bon, on peut arrêter la paper 1 là, capable de reprendre. Et si je termine, là, je vais penser à mon point de classe. Là, je vais aller dans le commande là, qui est bien en bas. Je vais une forme. Enfin, tu te rappelles que tu vas prendre une forme avec moi. Tu as une forme. Et dans la forme là, tu as un label, tu as un text box. Et text box là, il y a appelé runner ID. Mais il y a ça qui se quitte pour chipper dans ce text box là, ça même qui parle de ta fonction. Dit poil de ça, voyable qui appelle runner ID. Là. Ça, un enfant qui a posé ma question, qui appelle substring, veut dire runner ID, tu peux découpler trois caractères depuis côté cos. Si il commence par alphabet, sa texte qui appelle var, ça qui veut dire or, il commence par alphabet cam, veut dire, il y a un runner ID, dit ok. S'il n'a pas runner ID, il peut en erreur. Veut dire, nous retournons dans nos formes. Nos formes appellent form 1. Dans form 1, nous avons un text box. Ce text box s'appelle runner ID. Ce qui, pardon, ce qui nous dit, tu peux text box là. Ça même qui parle de ça, fonctionne là-bas. Et nous avons un bouton. Et input type button. Et nous cliquons sur ce bouton là. Il peut déclencher sa fonction là. Fonction là appelle my button on mouse down. Et nous cliquons sur ce bouton là. Il peut déclencher sa fonction là. Il peut aller sa fonction là-haut. Voilà ce que vous avez. Donc, quand je réponds à la question, là, dans une prochaine classe, je pense que vous pouvez un peu saturer en ligne. Et, nous, quand on arrive de ça. Donc, quand on arrive de ça, nous pouvons arrêter nos classes de JavaScript. Le caser d'un côté, là-dedans. Et, voilà, mon classe pour terminer, là. Et, je stop sa vidéo, là. Et, je vous load ça dans YouTube. Que je ne peux pas accéder à sa vidéo, là, de carré. Bon, désertant sa vidéo, là, je pense que c'est very painful.